Les deux membres comme un. C'est des comme ça, parce que quand Camille est née, on s'est dit on va faire une séance sur les auteurs collectifs. Ouais. Et donc, on a demandé à Antoine de parler de Bourbaki. Antoine a dit jamais je vais parler de Bourbaki en public. Il n'y a pas de public. Il n'y a pas de public. Cadrer quand on est comme ça. Ouais. Là je te vois bien. Hein? Là je te vois bien. Là je te vois bien. Et les micros sont bien. Antoine, oui. Ça t'embête d'aller voir à l'entrée s'il n'y a pas eu. Oui, non, je. C'était annoncé. L'autre amphi, oui. Maintenant, on attend que la pression de la presse fasse au directeur de l'Ouest. Il a reçu l'invitation. Et il avait pré-répondu oui. Je pense que maintenant, c'est en direct, ça. Oui. C'est je lance un appel sur la tête. Il est dans l'idée qu'il a cherché spontanément au téléphone parce qu'il demande des demandes d'autorisation de l'Élysée. Et quand il demande l'autorisation de l'Élysée, la réponse n'est pas la même. Ils sont peut-être assez grands déjà pour dire le contraire. Non, mais si je ne fais pas, il n'y a pas que vous qui avez un peu découvert la science. Pas si vous voyez le contre buzz. Oui, là, on va le dire. Non, mais bon, c'est bien, mais c'est vrai qu'ils avaient quand même réglé leur bagage sur la police française. Sur la SLIL, sur la culture, ça fait que ça fait un rôle. Oui, alors moi j'ai le convertisseur USB-C. C'est juste pour charger, autant le mettre sur un autre. Oui, c'est ça. Voilà. Antoine revient. C'est bon ? C'est bon. C'est quoi ce livre ?
C'est de la pub. C'est parti. Ouais. Donc, bonjour à toutes et à tous, ceux qui sont là courageusement et ceux qui nous regardent derrière leur écran. Moi, je suis ravi qu'on puisse refaire des séances en direct, mais manifestement, tout le monde n'est pas encore sur cette longueur d'onde-là. Politique des sciences donc, est un séminaire qui existe depuis 13 ans, qui a été créé dans un contexte d'apparition de réformes comme étant un travail savant mais réflexif sur notre activité, dans lequel on invite trois types d'intervenants, des sociologues, historiens des sciences, sociologues des sciences et techniques, historiens des sciences qui présentent leur travail de recherche escalité, des personnes dont, par leur travail, sont impliquées dans la politique des sciences. On a reçu, par exemple, Thierry Coulon, qui était escalité ici, lui, comme conseiller élyséen. Et puis, la plupart du temps, on reçoit des praticiens, enfin, des collègues chercheurs universitaires qui rapportent à partir de leur expérience, donc pas dans un travail savant, mais considèrent que la réflexivité, c'est une partie du travail savant, sur ce qu'ils font et la manière dont ils le font. Donc, on travaille au long cours sur des questions qu'on considère résistantes par rapport à notre fil de pensée dans l'équipe d'organisateurs. Et en particulier, il y a deux questions qui nous intéressent et qu'on distille dans les séances. Ces deux questions sont d'une part la relation des chercheurs comme individus, des universitaires comme individus au collectif. Et cette question-là nous intéresse parce que d'un côté, tout le travail de véridiction savant s'appuie sur le fait que forme collectif et que le regard critique des collègues est là pour faire science, et il n'y aurait pas de science si on produisait individuellement un travail rationnel. Et de l'autre, on a un travail qui est quand même extrêmement individuel dans toute sa composante créatrice, et en particulier pour les maths dont on va parler aujourd'hui. Et la deuxième question qui nous intéresse, c'est un peu une autocritique, c'est que dans notre groupe de travail et d'organisation, on est arrivé à l'idée qu'en plus de défendre l'autonomie des chercheurs vis-à-vis de toutes les formes de pouvoir, politique, sociale, économique, religieux évidemment, il fallait une contrebalance, et on l'a appelé en toute naïveté la responsabilité du savant devant la société, en n'ayant pas tellement d'idées de ce qu'on mettait là-dessous, simplement qu'il fallait quelque chose, et ce quelque chose, on aimerait travailler à le remplir de sens. Qu'est-ce que ça signifie que les chercheurs soient responsables devant la société? Et donc, par ailleurs, on s'est aperçu qu'en 13 ans, c'est-à-dire 13 fois 10 séances, on n'a jamais parlé de mathématiques dans le séminaire. Non pas faute d'intérêt, mais sans doute que les mathématiques apparaissent, même à un physicien comme moi, comme étant une forme presque isolée du champ académique. Et donc, je vais me débarrasser des poncifs vus d'un physicien de ce que c'est la communauté mathématique, comme ça, je vais dire toutes les bêtises d'un coup. Donc on dit des mathématiciens qu'ils croient fermement que la créativité, c'est avant 40 ans, et après 40 ans, on change de métier, on devient accoucheur vis-à-vis des jeunes gens. Les mathématiciens sont à l'abri de ce que nous vivons, nous, expérimentateurs, qui avons besoin de beaucoup d'argent pour travailler, puisqu'ils ont besoin d'un ordinateur, d'un tableau et d'une craie. En conséquence de quoi, ils se sont mis à l'abri de la transformation vers des managers de la science. Ils font la science eux-mêmes, encore. Ils n'utilisent pas des précaires pour travailler à leur place et signer leurs articles. Et ils sont plus ou moins restés dans une tradition qui les isole des 20 dernières années d'évolution pour leur bien. Les mathématiciens ont cette
énorme chance d'avoir un état de la recherche exceptionnel, donc on ne les perçoit pas comme étant à la traîne de la recherche mondiale, en partie parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent, contrairement à la biologie, la médecine, pour lequel ben, ça se ressent immédiatement le déficit de... Et puis aussi sans doute des choses liées à l'histoire des mathématiques en France, à l'enseignement des maths modernes ou des maths qui ont été pendant un temps de très haut niveau au lycée et moins maintenant. Donc voilà les poncifs à partir duquel vous pouvez voir que tout ce que vous allez dire va être nouveau et intéressant pour nous. Donc la première intervenante, Isabelle Guerrier, il se trouve que je sais sur ce sur quoi elle travaille, je suis capable de comprendre ses articles. Et comme ce n'est pas le cas des trois autres, je vais te laisser te présenter de sorte à ne pas créer de biais quand il s'agit de la liste. Merci Bruno. Je tombe le masque du coup. Bon, oui. Je pense que c'est. On ne craint pas. Je le porte garde. Oui, tu surveilles le moniteur. Bon, merci beaucoup. C'est très bien son introduction. Si j'avais lu avant, ça m'aurait aidé à faire mes transparents. Mais je peux répondre à tes remarques. Donc, en effet, j'ai parlé de la communauté mathématique, donc je peux parler des rêves qu'on peut avoir et qui sont évidemment à l'épreuve de la réalité. J'essaie d'expliquer les trois parties du titre. D'abord, je vais juste commencer par dire que c'est ma vision complètement personnelle des choses. C'est appuyé sur rien, à part des constats que j'ai pu faire et évidemment des discussions avec des collègues, mais c'est vraiment étayé par rien du tout. Donc, prenez ça comme ma vision des choses et surtout pas quelque chose de... qui repose sur aucun chiffre, aucune réalité, sauf celle que je perçois moi. Donc d'abord, est-ce que ça fait sens de parler d'une communauté mathématique ? Est-ce que c'est ? Est-ce que ça existe, une communauté mathématique ? Alors, bon, je crois que oui, et j'ai donné ici quelques exemples de la façon dont je vois qu'on peut considérer que les mathématiciens et mathématiciennes forment une communauté. Et le premier exemple, c'est que contrairement à d'autres disciplines, je crois, la recherche en mathématiques se fait surtout à l'université, avec surtout des universitaires. Il y a très peu de chercheurs ou chercheuses au CNRS, il y en a à peu près 10%, un peu moins même. En revanche, presque toute la recherche en mathématiques en France est faite dans une UMR, dans un laboratoire qui est affilié au CNRS. Donc en ce sens, le CNRS a une structure qui rassemble les mathématiciens et mathématiciennes, mais qui ne sont pas tous chercheurs ou chercheuses au CNRS. Donc ce rôle structurant, je le vois de deux façons. Il y a un rôle géographique, et je crois que c'est vraiment important... que des mathématiques sont faites partout sur le territoire français, et à peu près toutes les maths sont présentées à peu près partout. Tout le spectre des maths les plus fondamentales ou les plus appliquées, vous pouvez en trouver de Rennes à Nice, en passant par Lyon et Paris. Et donc ça rend... on fait partie d'une communauté parce qu'on sait qu'on a des collègues qui font la même chose que nous, un peu partout sur le territoire. Par ailleurs, donc le rôle structurant, bien sûr, comme j'ai dit, on travaille pour la plupart dans des UMR du CNRS dans une université, donc il y a des moyens humains... pas énorme, mais qui existe, aussi bien pour le personnel de recherche que d'appui à la recherche. Des moyens financiers, limités également, mais ils existent. Et surtout, le CNRS a ce rôle structurant qui est lié à ces principes que vous connaissez probablement, de non-localité dans les recrutements, dans les changements de corps. Quelqu'un qui a fait sa thèse quelque part ne sera pas maîtresse ou maître de conférence au même endroit, et pareil, si on veut la séquence. En général, il y a des règles d'exception. Mais en général, ça se fait comme ça. Donc, si vous rencontrez une professeure quelque part dans un laboratoire, en général, elle aura passé sa vie au moins dans trois laboratoires en poste permanent, enfin pas de poste précaire. Et ça fait qu'on a tous une connaissance, en tout cas certainement partielle, mais une connaissance de ce qui se fait dans d'autres laboratoires que celui où on est en ce moment. Et je crois que ça contribue beaucoup au fait qu'on considère qu'on est une communauté de mathématiques. Alors, juste un exemple que moi, je connais bien, parce qu'en ce moment, je suis enseignante à l'École normale supérieure à Paris. Je voudrais juste en parler deux minutes pour donner un exemple de ce côté communauté. C'est que, au département de maths, c'est le seul département de l'ENS qui est comme ça, et l'ENS de Paris est la seule ENS qui fonctionne comme ça. Il n'y a aucun enseignant ou enseignante permanent. On est tous prêtés par les universités, on est payés par nos universités. Donc, moi, c'est l'Université de Paris qui m'a envoyé pendant 10 ans. Enseigner devant les normaliens et normaliennes, et au bout de 10 ans, je rentrerai dans l'université, et ce sera très bien comme ça. Et ça tourne, donc si vous venez aujourd'hui à l'ENS, dans 10 ans à l'ENS, il n'y aura aucune personne qui sera encore là. Ils ont tous bougé. Alors ça a plusieurs intérêts. Un des intérêts, c'est que, comme l'ENS forme beaucoup de mathématiciens et mathématiciennes pour le futur, hein, il y a une quarantaine d'élèves, et sur les 40, une grande partie va finir dans un métier académique. C'est très important que toutes ces générations de futurs chercheurs ou chercheuses ne soient pas confrontées aux mêmes maths
pendant 40 ans. Donc, c'est très important que les gens restent pas sur place 40 ans au même endroit, sinon les masses n'avanceraient pas comme elles le font, je pense, en France. L'autre raison, c'est que ça permet, encore une fois, une communauté, c'est au sens de Paris, hein, pour le coup, l'Île de France, dans le sens où beaucoup de gens vont faire ce passage par l'ENS et tous les départements, tous les UFR de l'Île de France sont d'accord pour qu'au tableau de service, il y a un certain nombre de services qui soient juste pas faits dans l'établissement, mais ailleurs. Et je crois que ça contribue aussi à ce côté communauté. Une dernière remarque qui est liée à ce que je disais au début, presque la moitié des contrats doctoraux des élèves normaliens sont en province. Et ça, c'est parce qu'effectivement, il y a des super maths partout en province et dans tous les domaines. Et donc, cette espèce de brassage permanent est, je pense, très important. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut aujourd'hui parler de communauté mathématique. Alors, ce que je vais essayer de vous expliquer dans cet exposé, de vous raconter, c'est qu'il y aura beaucoup de portes ouvertes en français dans cet exposé. Par exemple, c'est quoi le métier d'enseignant-chercheur en chercheuse en mathématiques? C'est pareil dans tous les domaines. Donc, je parle de maths parce que c'est ce que je connais. Il y a des choses qui sont des évidences que je vais rappeler. Mais dans ces quatre facettes que je considère qui font partie de notre métier, qui sont la recherche, l'enseignement, l'encadrement, la diffusion et l'animation de la recherche et de l'enseignement, sur ces quatre facettes qui sont communes, je pense, à toutes les sciences, on a, je crois, des ambitions collectives que je vais essayer de vous raconter, en tout cas telles que je les vois. Et puis ces ambitions, elles sont confrontées à la réalité. Et cette réalité, c'est des causes extérieures, donc Bruno a un tout petit peu parlé, et j'en parlerai également, qui font qu'on n'arrive pas à aller tout à fait dans la bonne direction de nos ambitions, et aussi des causes simplement internes à nous-mêmes. Et là, je pense qu'on peut travailler un petit peu là-dessus. Les causes externes, on peut, on est là pour ça, mais quand c'est à nous, je pense qu'on pourrait faire plus d'efforts, et j'essaierai d'en parler à la fin. Donc, qu'est-ce que c'est que notre métier du point de vue de la recherche? Et donc là, j'essaie de vous raconter comment moi, je vois les ambitions collectives des mathématiques depuis longtemps. Alors, il y a des choses que j'ai pas écrites là, mais si on a un langage commun en mathématiques, on aimerait bien en tout cas avoir un langage commun. Alors, c'est de plus en plus difficile parce que les maths sont très très larges. Moi, je ne comprends pas ce que c'est Antoine ni Catherine, mais c'est pas grave. J'ai une vague idée de ce que vous fabriquez et inversement. Et c'est important qu'on garde au moins un petit peu un langage commun et qu'on identifie des problèmes importants. Alors, ça, c'est un petit peu. Faire attention avec cette phrase, je vais essayer d'expliquer tout de suite. Il ne s'agit pas qu'il y ait une ou deux personnes qui décident que tel ou tel sujet est intéressant et tel ou tel, c'est nul. Ce n'est pas le point, mais par contre, collectivement, et je pense que c'est vraiment important le mot collectif ici, il y a des moments où on s'arrête collectivement et on réfléchit à quels sont les problèmes aujourd'hui. Alors, à quel moment on fait ça? Par exemple, au Congrès international des mathématiciens et des mathématiciennes, il faut considérer que c'est un moment où il y a des gens quand même qui travaillent pendant un ou deux ans à identifier des sujets qu'ils ont envie de voir exposer, qui ont identifié des collègues qu'ils ont envie de voir exposer, et c'est un moment où on s'arrête, ceux qui vont, ceux qui suivent de loin, ou ceux qui lisent sur tous les axes, qui sont en général... très bien travaillé. C'est un moment où on fait un point sur un domaine et parfois on propose des problèmes ouverts et ça peut initier comme ça des nouvelles thématiques. Il y a d'autres moments, par exemple, notre cher Antoine nous expliquera probablement qu'il y a un séminaire pour Bakhti, il y a aussi un moment, là, c'est tous les mois je crois, je dirais ça mieux que moi, où un collectif de personnes décide que ça serait bien que plus de gens soient confrontés à tel ou tel résultat qui paraît important et c'est bien de le présenter à la communauté. Donc j'en viens peut-être au troisième point tout de suite, qui est justement transmettre à la communauté ce qu'on fait. Je crois que c'est très important de rendre nos résultats accessibles. Pas, on travaille pendant un certain nombre d'années sur un sujet, il y a un moment où le sujet parfois devient extrêmement technique, et c'est là que peut-être il faut s'arrêter, se dire qu'est-ce qu'on a fait finalement, de quoi on parle, et de transmettre à d'autres, déjà mathématiciens, mathématiciennes, voire d'autres disciplines. Je suis contente de savoir que Bruno parfois... regarde ce que je fais sur Personnel Gesto, je reviens qu'on en parle un jour, c'est très important qu'on arrive à sortir des mathématiques, nous les mathématiciens, les mathématiciennes, raconter ce qu'on fait à d'autres disciplines, et même au sein des mathématiques, on soit capable d'expliquer ce qu'on fait. Et pas seulement à son collègue, à la personne qui co-signe les articles avec soi. La technicité, c'est vraiment un danger, je pense, et donc rendre accessibles les résultats, en tout cas au bout d'un certain moment, et rendre accessibles à toute la communauté, ou presque, voire à l'extérieur, ça fait partie, je crois, de nos missions et de nos ambitions, j'espère, collectives. Alors évidemment, pour que le résultat soit vraiment transmissible ou qu'il soit validé, le processus de validation est extrêmement important. Là aussi, je crois qu'on est tous d'accord sur le principe que c'est important de relire les articles des collègues. Qui le fait vraiment sérieusement? Je me regarde moi-même en disant ça. On ne fait pas le travail sérieusement. On devrait peut-être tous faire un rapport par article publié, par exemple. Voilà. Et un vrai rapport, pas juste regarder le résumé et dire ça a l'air bien. Et c'est ça, je pense, c'est une ambition qu'on peut-être les gens ont eue il y a longtemps. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, les articles soient tous en tout cas relus comme ils devraient. Donc ça fait partie des ambitions collectives importantes auxquelles il faut rester attaché quoi qu'il arrive. Et enfin, et tout ça est relié, la recherche en maths, comme dans beaucoup de domaines, mais beaucoup en maths, ça s'inscrit dans le temps long et même extrêmement long.
on peut prendre plusieurs générations. En maths, un article ne remplace pas le précédent en général. Sauf si, encore une fois, c'est une avancée technique, ça arrive. Et un théorème peut en remplacer un autre parce que c'est juste une avancée technique. Mais très souvent, les mathématiques sont construites vraiment par accumulation de résultats et un résultat ne remplace pas l'autre, se construit sur l'autre. C'est pour ça que la validation, évidemment, est d'autant plus importante. Et quand on construit cette espèce d'édifice qui est les mathématiques, je reviens un petit peu à cette histoire de diffusion au sein de la communauté. Hein, on ne construit pas un édifice dans sa propre direction à soi. Notre ambition, je crois, c'est d'essayer de construire un édifice qui soit aussi large que possible. Et donc, à chaque étage, essayer de voir un peu ce qui se fait autour et de transmettre autour ce qu'on fait. Bon, tout ça, c'est le monde des bisounours, bien sûr, mais c'est comme ça, en tout cas, que moi, je vois, j'aimerais voir notre métier de chercheur et chercheuse en mathématiques. Alors, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, nous, on a un petit peu parlé. Il faut collaborer. Bien sûr, on travaille souvent tout seul, mais la collaboration, pour moi, elle fait partie c'est un point clé. Et ce proverbe bien connu, je vais me tromper, j'essaie de le dire correctement, seul, on va plus vite, et ensemble, on va plus loin. Et je crois que c'est complètement vrai. Et c'est sûr, quand on travaille à plusieurs, des fois, ça ne va pas assez vite. Enfin, des fois, c'est pas mon problème, mais souvent, j'ai quelques collaborateurs qui vont très, très vite. Et forcément, on se ralentit les uns les autres, mais c'est important de se ralentir, de s'arrêter, de se demander ce qu'on fait, de dire des bêtises, d'échanger. Et voilà, donc pour moi, la collaboration, c'est extrêmement important, très riche, très fructueux, surtout quand c'est sur le long terme. Donc en maths, on n'écrit pas des papiers à 10, 12 personnes, hein, en général, c'est 2, 3, 4, hein, en moyenne, pas plus que ça, mais collaborer, même si on a l'impression parfois qu'on perd du temps, c'est sûr que sur le long terme, l'édifice sera beaucoup plus large et tiendra mieux que si on travaille tout seul dans sa propre direction, pour la plupart des gens. Il y a toujours des exceptions à ce que je raconte. Il faut savoir explorer, c'est-à-dire prendre le temps de regarder ce que font les autres, de relire des articles, même des plus anciens, comme j'ai dit, hein, les maths, ça se construit vraiment aussi sur des résultats du passé, et beaucoup sur des résultats du passé. Donc c'est important de prendre le temps de lire ce que font les autres, d'écouter ce que font les autres, d'essayer de comprendre et s'approprier ce que font les autres. Et même, j'irai plus loin, et Antoine en parlera sûrement, raconter ce que font les autres. Pas seulement raconter ses propres petits résultats, qui ne sont pas forcément passionnants, mais que nous, évidemment, nous passionnent. Mais prendre le temps de lire un autre résultat ou d'autres résultats et les raconter à quelqu'un d'autre, ça, c'est comme ça au moins, un, on sait si on a compris, et deux, souvent, on raconte presque mieux, parce qu'on a souffert différemment dans la lecture de l'article. Et donc, c'est important, c'est pas gratifiant peut-être, mais en tout cas, du point de vue, on parlera plus tard du monde extérieur, en tout cas pour soi, pour la recherche, c'est très certainement très important. Voilà, et je termine là sur eux. Comment faire ça? J'en ai un peu parlé déjà. Les excès de technicité, je crois que c'est vraiment devenu un vrai sujet en maths, en tout cas dans la discipline que moi je connais mieux, en analyse. Il y a énormément d'articles tout le temps, et souvent ce sont des améliorations techniques, parfois hyper difficiles, redoutables, très difficiles à lire. Une fois qu'on l'a lu, on n'a pas forcément compris en fait pourquoi ça marche. Et je crois que c'est vraiment important de sortir un peu de cette ornière de la seule technicité. Et essayer parfois de simplifier une preuve. Là aussi, ça ne change pas l'énoncé du théorème, mais ça change vraiment beaucoup la compréhension du résultat. Et ça peut prendre beaucoup de temps, ça marche ou ça ne marche pas, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose d'important. Voilà, alors dans les facettes évidentes de l'enseignant-chercheur ou chercheuse en mathématiques comme n'importe où, on enseigne, on encadre, et là aussi, dans le monde rêvé, qu'est-ce que c'est qu'enseigner? Évidemment, c'est transmettre le savoir, quel que soit le niveau, mais c'est aussi prendre en compte où on est, d'où viennent les étudiants et où ils vont, de manière individualisée. Là, je parle vraiment dans le monde idéal dont on rêve tous. Les mathématiques, ça s'enseigne pour les mathématiques, bien sûr. On a envie de, comme à l'école normale, on a tendance à apprendre des mathématiques à des élèves, des étudiants qui deviendront plus tard mathématiciens ou mathématiciennes. C'est pas seulement le cas. Mais c'est important aussi, et on le fait en un certain sens, d'apprendre des mathématiques à d'autres disciplines. Qui se nourrissent de maths, c'est évident, et qu'on demande. Et je ne pense pas qu'on devrait enseigner les maths pour la chimie de la même façon que les maths pour la biologie, ou les maths pour la physique, ou les maths pour l'économie. Bon, il faut du temps. Il faut prendre beaucoup de temps pour parler avec les autres disciplines, pour savoir ce dont ils ont besoin. On ne prend pas ce temps en général, mais c'est notre ambition, je crois, ça devrait l'être, que de prendre le temps qu'il faut pour écouter les demandes, et comme ça, ce qu'on apportera sera utile, et je pense que c'est vraiment important. Donc, il y a un bagage mathématique de manière très, 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 très large, notamment à l'université. La diffusion, ça fait aussi partie, pour moi, de quelque chose de fondamental, et Bruno en a pas mal parlé tout à l'heure. Il faut qu'on transmette ce qu'on fait, ce qu'on sait faire, au plus grand public. Aller à l'encontre des jeunes, à tout niveau, hein, à la maternelle, c'est passionnant d'aller voir les petites maternelles, leur raconter des trucs,
On fait pas la même chose à la maternelle qu'au lycée, mais n'empêche que c'est important d'aller voir les gens à tout niveau. Et pour, à mon avis, pour plusieurs raisons. Une, c'est qu'il faut que les citoyens et citoyennes aient un bagage mathématique minimal. Mais ça ne veut pas dire savoir résoudre une équation du second degré, parce que ça, je pense qu'on s'en fiche pas mal, en fait. Mais par contre, savoir résoudre, savoir ce que c'est qu'une probabilité, savoir ce que c'est qu'une statistique, savoir raisonner, ça, par contre, c'est vraiment important. Et il faut que ça soit fait à tout niveau, pour les élèves dans toutes les classes, mais aussi au niveau du grand public. Il y a toutes sortes de manifestations qui existent et auxquelles on doit, les scientifiques et mathématiciens, mathématiciennes, participer le plus possible. On peut aussi publier des articles, là aussi, de temps en temps, faire le point. Et un point encore plus difficile que raconter ses maths à son collègue de bureau, c'est raconter ses maths au grand public. Qu'est-ce qu'on fait? Après tout, on est quand même payé. La plupart d'entre nous, on est fonctionnaires. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut transmettre au grand public? Qu'est-ce qu'ils font, ces chercheurs, dans leur coin, dans l'université? Et il y a des choses qu'on peut raconter, évidemment, des choses qu'on ne peut peut-être pas. Il y a des choses qui sont racontables et il faut le faire, il faut faire cet effort, ça prend du temps. Mais je crois que c'est vraiment extrêmement important. Et puis pour tout ça marche, bien sûr, il faut qu'on soit là aussi aux manettes. Il faut qu'on administre aussi bien la recherche que l'enseignement. Il ne faut pas laisser ça à des professionnels. Je crois que c'est très important qu'à tous les niveaux, dans toutes les instances, n'importe quel établissement, ce soit des enseignants-chercheurs et chercheuses qui soient aux décisions. Et c'est important aussi que ça tourne. Les gens qui sont dans ces instances-là, il faut qu'ils aient un ancrage dans l'enseignement et la recherche, c'est évident. Et qui soit aussi capable de dire de temps en temps ce que vous faites là, je ne suis pas d'accord, je retourne dans mon laboratoire, j'ai aucun problème avec ça. On n'est pas lié avec une prise de décision, on est dans un laboratoire, dans un département, on peut y retourner quand on veut, et je pense que ça donne beaucoup de pouvoir en fait, d'avoir cette possibilité de dire c'est pas grave, je vais retourner à ma recherche, je sais ce que ça aime. Et on n'est pas complètement coincé par ces activités d'animation, mais c'est extrêmement important bien sûr de prendre le temps de le faire. Et c'est là que j'arrive aux difficultés que tout ça peut créer. Bien sûr, la recherche est financée, on en a parlé. Donc, comme tu as dit, les maths ont tous besoin d'un ordinateur, de créer un tableau. Bien sûr, ce n'est pas complètement vrai. On est financé de plein de manières. Et le financement, là, je pense que tout le monde est à peu près de savoir que le financement récurrent est de plus en plus faible. Et de plus en plus, les universités, les organismes de recherche demandent à ce que les gens arrivent avec des financements propres, des ressources propres. Et donc ça veut dire qu'il faut répondre à des appels à projets, si on répond à ces injonctions-là, il faut quelque part que notre activité d'enseignant-chercheur ou chercheuse soit en adéquation avec les demandes de ces financeurs. De la même façon, notre activité est évaluée, alors là, je n'ai aucun problème avec le fait que notre activité soit évaluée, je suis contre l'évaluation en soi, parce que c'est sain, de temps en temps, qu'on s'arrête et que quelqu'un regarde un peu ce qu'on fabrique, mais la seule question, c'est comment est-ce qu'on regarde et ce qu'on en fait. Mais l'évaluation en soi, ça me paraît quelque chose d'assez sain, si c'est bien fait. Donc elle peut être faite notamment pour recruter quelqu'un, regarde ce qu'il a fabriqué ou ce qu'elle a fabriqué, pour la financer, pour accorder une promotion, une décharge, en passe. On passe son temps à être évalué, en fait, pour toutes sortes de raisons. Et des personnes passent leur temps à nous évaluer pour toutes sortes de raisons également. Ces évaluations sont à plusieurs niveaux. Je pense que c'est important de se rendre compte qu'il y a des évaluations nationales, par exemple au niveau du CNU, du CNRS, local au niveau de l'université, c'est pas tout à fait pareil, ou bien ad hoc au niveau des financeurs. Et tout ça fait que l'équilibre dont je parlais tout à l'heure, des quatre facettes qui me paraissent fondamentales de notre métier, est fragilisé. Pourquoi? Parce que les personnes qui évaluent, le plus souvent, ne regardent que l'activité de recherche. Alors ça, c'est une chose, c'est quelque chose que moi j'ai souvent vu, et j'ai peut-être même dit ce genre de choses au CNU, quand on voit un dossier arriver de quelqu'un qui n'a pas fait de recherche parce que la personne est occupée à faire autre chose, par exemple, administrer la recherche, on va dire, celle-là, elle passera en local, hein, cette candidature-là, parce que c'est au CNU qu'on va regarder ça quand même. Et ça, en fait, c'est pas normal. Notamment parce qu'en local, il y a toutes sortes de biais. Hein. Une promotion locale, ça peut être tout à fait biaisé. Alors, une promotion nationale paraît un petit peu, ça dépend évidemment, mais un petit peu plus objectif peut-être. Donc la recherche devient le point clé si on veut progresser, si on veut, quel que soit le moment où on veut être évalué, la recherche devient le point clé. C'est un premier problème qui met à mal donc, l'équilibre entre les quatre facettes, et en plus, le temps du politique, évidemment, n'est pas le même temps que le temps de la recherche. Donc, ça, c'est aussi assez évident, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va un petit peu oublier nos grandes ambitions pour essayer de publier vite, et pas forcément bien, mais en tout cas vite et beaucoup, pour que le dossier augmente, pour que le dossier soit plus conséquent. Et comme vous le savez, les chiffres bibliométriques deviennent quelque chose d'important. On regarde de plus en plus le nombre de publications, de moins en moins
leur qualité, parce qu'on n'a pas le temps. Je parle même de nous en tant qu'évaluateurs, parce que tout ça, hein, c'est nous. Après, c'est pas quelqu'un vraiment extérieur qui fait ça. À la fin, le comité de sélection, c'est nous. Et nous, dans le comité de sélection, on va regarder cette personne-là, elle a vu le pupille, c'est l'un de la 5. Ah, c'est pas pareil. C'est notre travail de dire, mais est-ce qu'on pourrait ouvrir l'article, voir ce qu'il y a de temps ? Est-ce que quelqu'un a lu ce qu'il y avait dans l'article avant qu'on dise tout ça ? Et on prend souvent pas le temps de le faire. Voilà, et en plus, un biais qui est de plus en plus évident, hein, c'est le star system, le prix qui appelle le prix, la promotion qui appelle la promotion. Un comité de prix va regarder un dossier, va dire, bah tiens, cette personne a déjà eu un prix avant, elle doit être super forte, on va lui redonner un prix. C'est là, une ERC, ça c'est vraiment important, ça veut dire quelqu'un a déjà regardé son dossier, l'ERC ça montre que c'est très très fort, on va lui donner son ANR. Et à la fin, c'est toujours les mêmes personnes qui vont récupérer ce genre de choses, et les autres qui sont tout aussi valables, parce qu'au début, ils ont raté je ne sais pas quelle coche, je ne sais pas pourquoi, tout à coup, ils deviennent un petit peu mis à l'écart. Voilà, donc ce star system, c'est une catastrophe, je pense, pour la recherche, parce que la recherche pâtit tout ça, évidemment. La course à la publication, comme j'ai dit, c'est la course à la technicité, on ne va pas s'arrêter pour comprendre ce qu'on a fait, on prend en profondeur, je veux dire. On va juste essayer d'améliorer de plus en plus. Ça devient presque incompréhensible pour les voisins, mais tant pis, parce que nous, pendant ce temps, on avance. Et voilà, donc la recherche pâtit de tout ça, et puis évidemment, la communauté elle-même en pâtit, puisque l'enseignement peut en pâtir, la diffusion peut en pâtir. Alors tout ça, c'est gentil de dire que c'est la faute aux autres, hein, c'est la faute aux financeurs, aux gens qui évaluent, mais finalement, les autres, c'est nous, je crois. Je crois qu'on participe beaucoup à cet état, comme j'ai dit, hein, les comités de sélection, c'est fait par des enseignants-chercheurs et chercheuses, c'est nous. Regardons les dossiers, c'est nous qui souvent, là je devrais dire moi, je suis en train de vous dire que c'est vous, c'est peut-être pas vous, en tout cas moi je sais que je ne fais certainement pas toujours le travail assez sérieusement. C'est facile de rentrer dans ces ornières. On spécialise de plus en plus, on est de moins en moins curieux, donc on dit qu'on n'a pas le temps, mais je considère qu'au bout d'un certain temps, quand on devient un petit peu senior, ben, il faut le prendre ce temps. Je comprends très bien qu'un jeune, on ne va pas lui dire prends ton temps, ne publie pas tout de suite, essaie d'approfondir, et puis tant pis, tu n'auras pas de poste après. Mais... au moins, tu auras fait des belles choses. Ça, d'accord, on ne va pas le faire, mais nous, je m'adresse. Hein, là, on est plutôt jeune, on pourrait arrêter de courir, on essaie peut-être, mais voilà, essayer de montrer un petit peu l'exemple. Ce star system, j'en ai déjà parlé. Les luttes de pouvoir, elles sont vraiment réelles, je crois, à cause de ces questions de financement. Certaines personnes deviennent des pontes. Et comme je disais au début, c'est important d'identifier des sujets importants. Malheureusement, de plus en plus, ces sujets importants sont dictés par la personne qui a eu son super financement incroyable, qui du coup va diriger toute une recherche dans cette direction, va prendre des postdocs, va prendre une armée de personnes pour faire du travail. Donc ça arrive, hein, les petites mains, on pourrait dire. Donc si tu dis, on prend de Bruno, on prend des postdocs, parce qu'on a mis des précaires pour faire le boulot, y a un petit peu de ça. Alors c'est pas tout à fait pareil, on va pas dire, toi tu vas démontrer le LEM 1 et toi le LEM 2. Mais quand même, de plus en plus, on voit des collègues qui ont 4 thésards et 5 postdocs. Et je pense qu'on peut s'interroger sur cette façon de fonctionner. Voilà, et je terminerai juste pour dire que notre communauté reste très négative. Hein, c'est triste. C'est transparent un peu triste. Notre communauté est très normative. C'est d'évidence, c'est du genre, par exemple, et pas seulement. On se ressemble un petit peu tous et toutes pour ce qui est du milieu social. Alors évidemment, il y a quelques exceptions, mais pas beaucoup. Les études sont souvent un petit peu toutes les mêmes. Et ça conduit aussi à tout ce que je raconte ici, ce manque de curiosité, parce qu'on est tous venus du même endroit, ou presque. On s'entretient un petit peu dans ce système-là. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et voilà, on va prendre vos questions si on a. Merci. Question ? Les micros sont là, il vaut mieux s'approcher. Ah, non, il ne faut pas les bouger. Il faut que ça va sur le côté à distance. Moi, j'ai vraiment une question de béotien. Je ne connais pas du tout, enfin, je suis sociologue des sciences par ailleurs, et mais je ne me suis jamais intéressé spécifiquement à la communauté des mathématiciens. Mais je me demandais comment tu inclus les écoles d'ingénieurs dans l'histoire. Est-ce que ça fait vraiment partie de la communauté? Parce que pour avoir un peu enseigné la philo à Centrale ou au fond, bon, on parle de maths, il y a des mathématiques appliquées à la finance, à l'économie de plus en plus. Et est-ce que ça fait partie du tableau? Est-ce que c'est une espèce de croissance exogène qu'on ne veut pas vraiment voir et qui ne fait pas vraiment partie de la communauté? Enfin, comment tu l'inclus ou si tu ne l'as pas inclus, pourquoi? Parce que finalement, c'est quand même de l'application. Enfin, vraiment, une question pour l'instant. C'est inclus pour moi complètement. Je parle d'université, effectivement, je n'ai pas parlé d'école d'ingénieur, c'est une très bonne remarque. Moi, je viens d'une école d'ingénieur, en fait.
Il y a des mathématiciens, mathématiciennes astronomines dans plein d'écoles. Alors évidemment, elles n'ont pas toujours les mêmes aspirations, ça dépend des écoles. Les écoles les laissent complètement libres de la recherche. On fait de la recherche, par exemple, en maths assez fondamentale à l'ENSTA, par exemple. On pourrait être étonné, mais technique avancée, il y a des maths relativement fondamentales à l'ENSTA. Donc oui, les écoles d'ingénieurs font partie de ça, font partie de notre communauté. Elles sont. La Fondation Sciences Mathématiques de Paris, que je dirige, l'école des mines est dedans, toutes les écoles, dès qu'il y a des maths, c'est dedans. Donc oui, ça fait partie du paysage. Pour moi, oui, peut-être pas dans le paysage mental. Peut-être pas dans le paysage mental. Ouais, je ne sais pas, peut-être pas. Mais je vais faire un sondage après sur les collègues. Non, mais... Bonjour, alors moi je suis plus chercheuse, mais j'étais physicienne et j'ai été interpellée par ce que tu as dit sur les jeunes et que autant les seniors ils peuvent peut-être prendre le temps de faire la recherche autrement, mais les jeunes il faut qu'ils pensent à leur carrière et c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Et je comprends, c'est comme quand on a des enfants, on a envie de le mieux pour eux. Mais est-ce que justement c'est pas comme ça qu'on changerait les choses en disant aux jeunes, non, fais pas comme tout le monde et voilà. Oui, alors, c'est vrai. Ça me rappelle une fois, j'étais dans une espèce d'après-midi filles et sciences, je crois. On m'avait demandé de raconter ma vie comme ça m'arrive de temps en temps, et donc j'ai raconté ma vie. Et à la fin, j'aurais dit exactement ce que tu as dit. Et j'ai dit, si on vous demande de faire un projet ANR, dites non. Si on vous demande de faire, c'est pas non, faites votre recherche, je ne vous laissez pas forcer. Je me suis fait, exploser par des collègues d'autres disciplines qui m'ont dit, mais jamais tu fais un truc pareil, c'est très mal. Donc maintenant, j'essaie de faire attention, mais ce que je veux dire par là, par exemple, avec mes doctorants, je dis doctorants parce que je n'ai pas de doctorante, je ne sais pas pourquoi, je n'en ai jamais eu. Mes doctorants, j'essaie, c'est clair qu'ils n'écrivent pas du papier, c'est interdit, c'est juste pas possible. Mais j'emboîte les fesses quand même pour qu'ils en écrivent un ou deux. Voilà, c'est vrai. Et à mon époque, quand j'étais petite, on pouvait être recruté au CNRS sans avoir d'article. Et c'était le bon temps. Mais maintenant, non. Il y a un moment où il y a une certaine responsabilité aussi qui est de dire si la personne en question veut continuer, veut avoir un poste. Alors déjà, on commence par leur dire que, contrairement à nous, non, tu n'auras pas un poste tout de suite, probablement. Tu vas avoir des postes précaires, probablement, parce que c'est aussi la lucidité. Hein, c'est pas non plus. Vous voyez la face à tue, dire dès le départ, c'est pas sûr que tu auras un poste tout de suite, c'est même presque sûr que non. Et puis voilà les clés, en ce moment, voilà comment il faut faire. C'est délicat de faire le bien des gens. Moi, ce qui me gêne beaucoup avec tout ça, c'est que moi, j'ai pas fait de postdoc, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu un poste tout de suite. Et donc maintenant, quand j'entends des collègues dire, mais un postdoc, c'est bien, ça forme la carrière, ça forme la jeunesse, j'ai envie de leur dire, vous avez fait quoi, vous? D'accord. Donc c'est toujours, on est toujours un petit peu schizophrène là-dessus. Mais aussi pour le suicide, malheureusement. C'est pas bien, à mon avis, pour ce postdoc, c'est pas une bonne chose. Très bien, les gens veulent voyager, je les encourage à 100%. C'est pas une bonne chose, mais n'empêche que si on n'est pas là, moi en ce moment, je suis en train de chercher une liste de postdoc pour mon doctorat. Parce que si je le fais pas, qu'est-ce qu'il va faire? Ça fait partie, malheureusement, c'est compliqué. J'avais une question un peu follow-up par rapport à Arnaud. Sur la responsabilité des chercheurs. On a le sentiment que les mathématiciens se mettent à l'abri par l'abstraction de ça. Et pourtant, quelque chose comme les maths financières et l'école de l'X, qu'on va connaître très bien, vu de moi, ont une responsabilité dans le boursicotage, dans un certain nombre de développements séparés de la finance par rapport. Où ils ont des responsabilités aussi écrasantes que les physiciens avec la bombe ou que les biologistes avec les technologies de manipulation de gènes. Donc je me demande comment ça se perçoit, vu de toi, cette question de la responsabilité. Est-ce qu'elle n'existe pas? Est-ce qu'elle est sous le tapis? Elle existe évidemment, sous le tapis probablement. Ce que je crois, c'est que effectivement, les maths financières, c'est un vrai sujet. C'en est un moins maintenant. On peut parler de l'IA aussi, je pense. Mais en tout cas, parlons des maths financières. En plus, je vais dire des énormités parce que j'y connais rien. Je ne sais pas très bien ce qu'on fait en maths financières. En fait. Je ne suis pas sûre que ce soit des probas hyper sophistiqués. Et encore heureux quelque part parce que les gens qu'en font, au bout d'un moment, ils sont dans leur monde de la finance. Ils sont tellement loin des maths que, espérer que ce n'est pas trop compliqué.
mais parce que les trucs ne se remettent pas à jour. Donc, je pense que la responsabilité des mathématiciens et siennes sur ce sujet-là, c'est de ne pas avoir dit, d'abord, un, ça évolue, les maths, ça change tout le temps. Deux, la finance est faite par des... Enfin, c'est peut-être débile ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment ce que je pense, et c'est peut-être très, très idiot, mais c'est fait par des êtres humains et pas par des solutions d'EDP. Donc évidemment, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et une fois qu'on a fait son M2 de maths financières et qu'on part dans une banque et qu'on ne retourne pas de temps en temps voir ce qui se fait en maths, je pense que c'est un des vrais dangers est là. J'imagine que les maths je suis à peu près certaine, la recherche en maths a suivi de loin ce qui se passait en finance, mais s'il n'y a pas un aller-retour permanent, déjà, c'est une catastrophe. Et en même temps, je pense que l'erreur et la faute, effectivement, des maths dans ce domaine, c'est de ne pas avoir dit c'est dangereux, en fait. Vous êtes en train d'utiliser un outil que vous ne comprenez pas, parce qu'on est très peu à le comprendre, et forcément, ça va partir dans le mur. Et ça n'a pas été dit, évidemment, c'est quoi. Et je pense qu'on a l'IA, je n'y connais rien non plus, mais il faut faire très attention aussi. Quoi. Excuse-moi, c'est pas vraiment une question, mais j'avais un peu envie de rebondir sur cette affaire de responsabilité, si je peux. Okay, bien sûr. J'ai toujours des problèmes avec l'idée d'attacher à un petit groupe qui fait la technique une responsabilité spécifique, qui est au-delà de la spécificité d'un citoyen ou d'une citoyenne ordinaire. Parce que, d'une certaine manière, ça demande une conscience sociale, une conscience particulière, qui n'est pas forcément liée même à la conscience qu'on peut avoir professionnellement. Même si on a une éthique professionnelle extrêmement développée, je pense que Isabelle a très bien montré les aspects de cette conscience professionnelle, ça ne veut pas dire qu'on a une responsabilité sociale aussi autonome, aussi informée. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas faire semblant, je pense. Je ne suis pas sûre qu'il fasse semblant. Tu vois, ce qui m'a frappée à propos de la crise financière, donc je ne vais pas donner son nom, et ça s'est très mal terminé, mais c'est quelqu'un qui était au cœur de cette affaire de maths financière, et qui nous a dit une fois, mais je ne comprends pas, on était avec des banquiers, ce sont des gens sérieux, donc évidemment, on ne s'est pas inquiété. Et ça, je trouvais ça très significatif, parce que pour moi, c'était un niveau de naïveté sur l'utilisation possible. Et je pense que c'était pareil avec les gens, quand on regarde ce qui s'est passé pour la bombe atomique, on avait aussi des réactions comme ça. De gens qui faisaient confiance à l'État, faisaient confiance à une certaine image beaucoup plus générale pour avoir cette responsabilité. Donc je ne suis pas sûre que la question de la responsabilité sociale doit s'évaluer à l'échelle de la communauté. Bon. Ce n'est pas pour nous dédouaner. C'est plutôt pour dire, peut-être qu'il faut comprendre un petit peu les interfaces entre nos responsabilités professionnelles et sociales, et c'est à donner, disons. C'est un manque de lucidité, quelque part, et une confiance un petit peu absurde. Donc, je vais te poser une question par rapport à ça. Tu as très bien pointé, je pense, les problèmes auxquels on est confronté maintenant. Qu'est-ce que tu proposes comme solution? Étant à une position, quand même, de vrai pouvoir dans cette communauté. Donc... Oui, un petit peu. Je suis désolée. Tu as été à une position. Enfin, tu es autant une position de pouvoir qu'on peut l'avoir. On pourrait discuter de ça parce que les positions de pouvoir sont assez faibles, en fait, dans cette communauté. Mais quand même, tu en as. Ouais. Donc. Ok. Je suis toujours Non, t'as pas mal. Excuse-moi. Mais non, mais c'est ok. Là encore, je suis extrêmement schizophrène. Hein. Donc, effectivement, avec la FSLP, qu'est-ce qu'on fait? On distribue des post-docs. Beaucoup de post-docs. Voilà. C'est une question, il y a 15 ans, j'aurais dit, mais jamais, des catastrophes, post-docs, très mal. Maintenant, je le fais, et avant, c'était des post-docs d'un an, maintenant, c'est des post-docs de 2 ans. Et il faut faire des post-docs de 2 ans, et je m'en suis convaincue. Je suis en train d'évoluer moi aussi, c'est pas bien, mais dans un système auquel on est, et voilà, ce qu'on essaie de faire, en tout cas, là je réponds juste sur cet exemple-là, hein, sur les post-docs, prendre des gens, là aussi, il n'y a pas de règles, on se dit, on va prendre quelqu'un de jeune, il sort de thèse, il faut essayer de les prendre le plus jeune possible pour que ça avance, après il y a un poste. Donc qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont pas été pris jeunes? My God, est-ce que c'est normal de rester 4 ans? Enfin, c'est de pire en pire. Enfin, j'ai pas de réponse, il y a que des questions et des problèmes en fait, hein, sur ce sujet. Donc, la seule chose que moi, je peux dire, et que j'aimerais essayer plus de faire, hein, c'est. N'oublions cette histoire de pouvoir, juste à mon niveau de mathématicienne, travailler mieux. Ça, on fait des efforts pour travailler mieux, écrire des articles plus longs et moins souvent. Je vais pas dire que je relis un article par article que j'écris. Parce qu'en ce moment, j'estime que je fais trop de trucs à côté, donc les référés, j'en fais pas trop en ce moment, ça c'est mal.
Mais voilà, donc à mon niveau, c'est essayer de faire des maths comme j'ai dit avant, essayer. Et après, au niveau, comme tu dis, je n'ai vraiment pas de réponse à ça, si ce n'est, quand je disais dans les comités de sélection, on est les premiers à faire n'importe quoi, là oui, être vigilant à ça, ça me rend un peu dingue quand je vois dans un comité de sélection les gens qui sont en train de comparer le niveau des revues. Faut arrêter avec ça, vraiment. Regardons, ça c'est un truc que j'essaie de le faire. Dis-moi le théorème qui répond. Après on discute, mais dis-moi quel est le théorème. Si tu n'arrives pas à l'énoncer, on revient. Mais on arrête. Mais ça, c'est notre responsabilité. Et nous, vieux, avec du pouvoir, c'est à nous de faire ça. De montrer l'exemple aussi aux plus jeunes dans les comités que c'est comme ça qu'on évolue, on évalue un dossier. C'est rien de plus déprimant vous avez tous vécu ça, hein, d'être jeune dans un comité de sélection et de voir comment c'est fait. Mais comment on a été recruté, nous, enfin, c'est une horreur. Donc, faut essayer d'essayer de faire ça le plus sainement possible, rendre les prises de décision plus saines, que ce soit au niveau des. N'importe quel niveau d'évaluation, prendre le temps, être dans moins de comités aussi, être dans moins d'instances. Quand on est une femme, c'est compliqué. On pourrait parler de ça aussi longuement, des quotas. Mais voilà, en tout cas, essayer le pouvoir qu'on a, que moi je peux avoir en ce moment, effectivement, c'est dans l'attribution de différents types de bourses, contrats doctoraux, et essayer d'être le plus vigilant possible. Dans un contrat doctoral, par exemple, voir le parcours de l'étudiante ou d'étudiant, et pas dire, ah ben voilà, ils ont fait le M2 qui va bien, et puis vraiment le parcours parfait. Bien ficelé, bah c'est facile, on le prend. Puis la personne qui a eu un parcours un tout peu plus chaotique, là, ça va être plus compliqué, on ne la prend pas. Il faut essayer d'être plus. Prendre des risques. C'est un truc qu'on ne sait plus faire, je trouve. Prendre des risques. À l'école normale, quand on prend des enseignants-chercheurs, il faut arrêter de prendre la personne qui a déjà passé par cette école. Alors ça a beaucoup changé depuis ces dernières années. On ne prend plus forcément quelqu'un qui est passé par l'école normale de Paris, incroyable. On ne prend plus quelqu'un qui a forcément fait tel ou tel type de maths, qui est vraiment dans la bonne ligne. Il faut prendre des risques. Enfin, si nous, on ne prend pas de risques, qui va en prendre? Nous, on peut le faire, on peut se permettre. Je me présente, je vais essayer de se présenter, Laurent Lozé. Oui, pardon. Et je voudrais répondre à Catherine Bolstein, en fait, qui dit, bon, c'est possible. Je ne suis pas d'accord avec cette idée que finalement, les maths ont un rôle, et un rôle nocif, peut-être, dans la société, beaucoup plus faible que la physique. En fait, on voit vraiment le mouvement inverse maintenant. Parce que toute la société électronique, toute la technologie électronique, le big data, etc., ça repose sur des doses massives d'informatique, donc, évidemment, mais aussi de mathématiques. Les perspectives qui sont les plus déshumanisantes, elles ne vont pas venir de la physique, là, je pense. Elles viennent de la technologie basée sur les mathématiques. Et donc, moi, je pense qu'en effet, on doit se sentir responsable des applications qui sont faites maintenant de domaines assez divers des mathématiques. Je crois qu'elle est pour moi une opinion. Oui, Michel Brouet. Oui, je suis assez d'accord avec Laurence, mais soyons un peu plus spécifiques. Bien sûr que l'intelligence artificielle, par exemple, utilise toutes sortes de mathématiques. Sauf que mathématiciens parmi les plus reconnus, certains prestigieux. Alors, une part de notre responsabilité, en effet, là, Laurent, on a signé un texte contre la participation à un conseil scientifique formé par Huawei. Huawei était aussi par moi, je ne sais pas. Et Antoine aussi. Et Antoine aussi, bon, pas tout le monde. Ceux qui sont ici. Et Catherine aussi. Je ne sais pas. Je suis là. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit, Huawei ne va pas utiliser pour l'instant des topos. Mais Huawei recrute des mathématiciens parmi les plus purs avec des sons guillemets, puisqu'ils viennent par exemple de recruter Laurent Laforgue entre le programme de Langlands et l'intelligence artificielle utilisée par Huawei pour la reconnaissance du Uyghur. Il y a une certaine distance pour l'instant, mais non, puisqu'ils le font. Sérieux, comme on dit tout à l'heure, les banquiers. Pour moi, elle est considérée que les banquiers sont sérieux, et les banquiers sont un défi. Parce que ils sont sérieux dans leur intérêt, ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas sérieux dans leur respect de la science. Alors, pour rebondir au sens inverse sur la responsabilité, notre responsabilité, mais en tant qu'individu, notre responsabilité morale, c'est en effet de refuser, de cautionner, d'alimenter, etc. Et je regrette un certain nombre de collègues. D'aller gagner beaucoup de yuan ou de dollars à Huawei. Maintenant, il ne faut pas non plus exagérer. Les crises financières, elles se seraient produites avec ou
la fuite financière et de l'organisation mondiale de la fuite des capitaux et de non payer les impôts, ça se fait sans bateau. Faut pas exagérer, quoi. La société, elle s'appuie sur nous quand elle peut s'appuyer sur nous, et puis elle s'en fout quand elle peut s'en foutre. Et pour terminer, je terminerai par une anecdote, mais qui est tout à fait significative, qui m'a été rapportée par Bertrand Montubert. Pour les plus vieux, Bertrand Montubert, c'est un mathématicien qui a dirigé autrefois les mouvements souvent la recherche. Il a un jour participé à un débat où il y avait le type qui était le secrétaire général de l'Élysée Hollande, et puis qui passait chez Macron, en fait, donc il a participé avec un débat avec Jean-Pierre Jouyé, qui lui a sorti, alors je vous dis maintenant, un argument statistique totalement stupide, mais stupide, d'où il tirait les conclusions que Bertrand Montubert, en tant que président de la recherche, je en plus néfaste pour la recherche. Donc il a commencé à discuter, Jouyé n'en voit pas la tête, et un des jeunes qui accompagnait Jouyé vient et dit à Montubert, écoute, de toute façon tes raisonnements sont fous, ce qui compte, nous, c'est le résultat qu'on veut avoir, les raisonnements, que ça marche ou que ça ne marche pas, on s'en fout. C'était Emmanuel. Isabelle, le mot de la fin avant qu'on tourne, tu veux répondre? Non, je l'ai dit. Une réaction, un commentaire, sinon on avance, on est dans le timing. Non, c'est dans le bon sens, non, c'est mieux. Fasse tout. La catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Ok. C'est parce qu'il faut que je fusionne les deux écrans et. Et là, il rame pour ouvrir. Je me présente. Oui, donc bonjour, je suis Antoine Chamberloire, je suis professeur à l'Université de Paris en maths, donc. Et comme pour rebondir sur ce que disait Isabelle, j'ai un peu bougé dans ma vie de jeune mathématicien, puis de moins jeune mathématicien. J'ai commencé un peu dans le quartier latin en étant étudiant là-bas, et puis. J'ai enseigné à Paris 6 à l'époque, bien qu'ayant formellement soutenu ma thèse là-bas, donc c'était les limites du non-recrutement local. Puis je suis bougé très vite à Polytechnique, puis une petite dizaine d'années en province, et puis revenu en région parisienne.
Pour des raisons que je ne peux pas raconter publiquement, je suis aussi proche de certaines personnes qui ont traîné avec le sujet dont je vais parler maintenant, qui est Bourbaki. Et donc, j'ai mis un titre « Mythes et pratiques d'un mathématicien collectif ». Mathématicien collectif parce qu'il va être question de maths faites collectivement. Pratique parce que c'est le truc dont je vais essayer de parler le plus possible. Et mythes parce que c'est difficile de dégager cette personne, entre guillemets, c'est Bourbaki du mythe. Et aussi que comme, heureusement, et juste après moi, il y a une historienne qui parle, c'est une façon de mettre le mot en disant « si j'ai dit une bêtise, c'est caché dans le mythe ». Pardon ? La responsabilité. Je vais essayer d'en parler, de la responsabilité. Voilà, donc il y a un plan en 5 parties. Voilà, je vous parle de la naissance. C'est long, il y a plein d'images, mais il y a surtout des photos. Donc, depuis quelques semaines, il y a une plaque juste au-dessus du Burger King, en bas de la rue Soufflot, sur lequel est écrit cette chose-là, le collectif de mathématiciens N. Bourbaki se concrétisa spatialement pour la première fois le 10 décembre 1934 au café Capoulade qui occupait ce lieu. Et voilà le café Capoulade à l'époque, et voilà l'entrée. Et ces gens-là, enfin ce collectif, on ne sait pas très bien qui c'est, mais ils étaient organisés. Il y a des comptes rendus dactylographiés de l'époque, et grâce à une historienne, Liliane Beaulieu, de l'argent donné par le CNRS, par les archives Henri Poincaré à Nancy, tout ça est numérisé, disponible en ligne. Donc c'est archives Nicolas Bourbaki, on tombe ça. Et donc voilà, on a le compte-rendu d'époque, il y a une notation manuscrite que je reviendrai après, qui dit que donc, le 10 décembre, un certain Veil a exposé son projet, fixé pour 25 ans, les matières du certificat de calcul différentiel et intégral en rédigeant en commun un traité d'analyse. Il est entendu que ce traité sera aussi moderne que possible. Tout le monde est d'accord sur l'opportunité et l'initiative de Veil. Et puis la fin, ça se termine. Finalement, rien n'est décidé sur un certain point. Et Veil propose de clore la réunion et ils se réunissent un mois plus tard. Chacun doit apporter en vrac la liste de sujets qu'il veut voir figurer dans le traité. En 1952, il y a une petite note de, je pense, être de Dieudonné, qui est là, le quatrième sur la liste, qui fait remarquer que 34 plus 25, ça fait 59, ça se rapproche. Alors, ils se réunissent au café pendant quelques mois, ils se réunissent surtout à Besse-en-Chandesse, dans le Massif central, et il y a un certain nombre de photos avec un certain nombre de monde. J'ai choisi deux photos. Donc, parmi les protagonistes initiaux, il y a Henri Cartan, qui est l'un des grands noms des mathématiques françaises, disons, jusqu'à sa mort en 2008, mais disons, dans la première moitié du XXe siècle, disons, en ayant débordé. René de Poissel, donc, qui a compliqué, dont on sait peu de choses, en fait. Jean Dieudonné, qui est aussi une énorme figure, ne serait-ce que par sa stature. André Veil, qui est ce petit bonhomme-là, mais à l'énergie et à la une espèce de détermination sans faille. Le chauffeur n'a pas de nom, mais c'est le chauffeur de la voiture. Un certain Mirles, dont je n'ai pas réussi à trouver de traces. Claude Chevalet, qui était un des très grands algébristes du début du XXe siècle aussi. Et Cholet Mandelbrot, qui dans l'histoire de Bourbaki est plus en retrait, mais enfin, qui a fini sa carrière au Collège de France. C'était quand même un grand bonhomme de l'analyse en France. Il y en avait d'autres, et toujours, donc on voit qu'ils se sont réunis en juillet pour commencer à discuter. Il y a des répartitions de qui est membre, qui n'est pas membre. Visiblement, le groupe se fige plus ou moins, enfin, se structure à ce moment-là, pendant les vacances, et ils se mettent à bosser. Et déjà, on voit dans ce premier texte cette tension entre le sérieux de l'entreprise, parce qu'ils se prenaient au sérieux, et puis, une certaine volonté de mettre à distance. Donc, les commissions se mettent au travail immédiatement avec des résultats divers. Par la suite, elles s'effritent rapidement. Et tout est comme ça. La première fois où le mot de Bourbaki arrive, c'est là. Hein, quelques membres ne craignent pas de se plonger sans aucun voile dans les ondes au cri mille fois répété de Bourbaki. Et donc, ils sont juste à se baigner à poil. Et voilà. Donc,
puis une autre photo dans les champs, on peut reconnaître les mêmes. Donc, qui était Bourbaki? Alors, si on prend un dictionnaire, on peut tomber sur les maths, mais on tombe d'abord sur le général Bourbaki. C'était le général de l'armée de l'Est dans la guerre de 70. Autrement dit, il a subi une défaite assez phénoménale à Sedan. Il a essayé après la défaite, il a essayé de se suicider, il a raté. Et il a eu le droit de se retirer avec son armée complètement exsangue en Suisse, à condition de se démilitariser, de livrer les armes. Et donc, il y a ce très bel endroit que j'ai visité une fois, le panorama Bourbaki à Lucerne. Si vous avez l'occasion d'aller par là-bas, c'est un lieu, je trouve, poignant, où sur tout ce cercle est représenté l'exode de l'armée du général Bourbaki. Ça donne envie d'être antimilitariste, tellement on voit l'horreur de la guerre et ça. Et donc la population suisse avait accueilli l'armée de Bourbaki, et peu après, c'est l'origine de la création de la Croix-Rouge, par exemple. Et donc il y a un grand tableau circulaire avec ce genre de choses. L'armée de Bourbaki. Alors, qui était vraiment Bourbaki? Parce que c'est pas lui. Et qu'est-ce qui fait qu'on a pu choisir partir d'une défaite pour... Alors, dans les choses plus récentes, il y a ce sous-titre, Une société secrète de mathématiciens, avec quelques figures, celles dont je vous ai déjà parlé, et la figure du général qui est là. Et initialement, c'est 9 noms, la Cartanche, Chevalet, Coulon, Delsarte, Dieudonné, Rossmann, Mandelbrot, De Posset et Veil. Ces 9, ils sont nés, donc si vous voyez les dates, ils sont nés entre 1899 pour Mandelbrot et 1909 pour Chevalet, donc plus ou moins la même génération. Et dans les années, au début des années 30, vous avez leurs photos à des moments divers de leur vie. Au moment des années 30, là, ils ont tous ressenti un besoin de refonder plus ou moins leur discipline, mais pas abstraitement, dans le but de l'enseigner, dans le but de ne pas avoir à refaire 22, enfin, chaque année le même cours, ou refaire le même polycopié. Donc, ils ont été très pragmatiques. Et ces gens-là étant... c'était quand même des très grands mathématiciens avec une vue assez loin. Très vite, ils se sont rendus compte qu'il fallait le faire un peu autrement. Et on est passé du traité d'analyse, qui était le projet initial, à un truc qu'ils ont appelé, avec un orgueil un peu démesuré, en référence à Euclide, les éléments de mathématiques au singulier. Malgré tout, on voit quand même, 14 janvier 1935, il y a ce truc, il s'agit de faire un traité utile à tous, et ça dans ce qui semble, ça n'a jamais, et contrairement à ce que les gens pensent, je parlerai de la réception plus tard, mais une espèce de volonté d'utilité permanente, aux chercheurs, patentés ou non, aux trouveurs, entre guillemets, donc le jeu de mots prétendu mongoliste, en 1934, il était déjà documenté, aux candidats, aux fonctions d'enseignement public, aux physiciens et à tous les techniciens. Comme critérium, il faut qu'on puisse, sans mercantilisme, conseiller la fréquentation du traité, ou tout au moins de ses fascicules essentiels, à un étudiant obligé de travailler seul, présumé d'ailleurs d'intelligence médiocre. Donc, ce truc est assez dingue. Il y a toute l'ambiguïté là aussi, cette espèce de... Il y a quand même du mépris, quand même, de là. Et puis, d'un autre côté, je pense qu'il voulait vraiment qu'un étudiant normal puisse le lire. Je pense que c'est Bon, alors, les ouvrages ont mis du temps à sortir, il y a du travail sur lequel je reviendrai juste après. Ils sont sortis d'abord sous forme de fascicules chez Hermann, puis les fascicules regroupés ensemble aussi chez Hermann d'abord, sous forme de volume. Donc là, vous avez le premier volume qui est sorti en 1939, de Théorie des ensembles, le fascicule de gauche, et puis le livre final, c'est après la guerre. Donc c'est un travail qui a pris du temps. Et ils ont, de front, il y avait un certain nombre de bouquins, ils sont sur la page d'après. Et là, je vous montre aussi, pour une illustration du mélange d'orgueil et d'humour, ça commence, donc les éléments de mathématiques, il fallait une référence grecque, et ce qu'il y a, c'est le nettoyage des écuries d'Ogias sur le fronton du temple d'Olympie. Et ça n'a pas été repris dans le... Ça n'a pas été repris dans les éditions. C'est ultérieur.
Peut-être que je vais vous montrer. Ben non, c'est après, car il a de l'est. Donc, quel est le mode d'emploi? Les concessions ont un peu disparu. Une fois là, j'ai pris le mode d'emploi dans un bouquin publié dans les années 60, mais c'est plus ou moins le mode d'emploi est repris à chaque fois. Le mode d'emploi, donc de considérer que rien n'est acquis, rien n'est supposé connu du lecteur, j'allais dire ou de la lectrice, mais en fait, à l'époque, c'était du lecteur. Il y a une phrase assez marrante quand même qui est que on ne se pose pas la question de savoir si on a annoncé des mathématiques à quelqu'un qui ne saurait pas lire, écrire et compter, qui est ça. Souvent, on sous-entend que le lecteur sait faire la différence entre le numéro de page et ça. Mais pour le reste, on suppose que n'importe qui peut le lire. Et ça donne un... Donc c'est en gros les mathématiques élémentaires, celles du début, mais raconté par des mathématiciens extrêmement professionnels et extrêmement avancés qui décident de revenir sur tout ce qu'ils ont fait et de le présenter selon l'ordre. Peut-être qu'on trouverait naturel au bout de 20 ans ou 30 ans de pratique. Le mode d'exposition est axiomatique, va du général au particulier. Ça sous-entend, et là on voit ça dans les textes initiaux, les traités des années 20, le grand reproche qui était fait, c'était que le même théorème, des variantes arrivaient sous 50 formes, et là, l'une des volontés, c'était de nettoyage, c'est l'allusion aux écuries d'Ogias, disons, de simplification, de donner l'énoncé, soit l'énoncé qui sert, s'il n'y en a qu'un seul, un seul qui est vraiment utile, soit de les englober sous un énoncé commun, et éventuellement de dérouler après les cas particuliers. Donc l'ordre logique rigoureusement fixé, il est là. Le traité est divisé en livres, chaque livre en chapitres, et il y a 10 livres qui sont là, qui sont prévus, de théorie des ensembles jusqu'à théorie spectrale. C'est un ordre logique au sens où les rédacteurs s'interdisent d'utiliser un résultat qui n'aurait pas été démontré dans un livre antérieur. Sauf que c'est vrai plus ou moins jusqu'au livre 6, là, jusqu'à l'intégration. À partir de là, le Leitfaden, comme les mathématiciens disent parfois, se ramifie un peu. Mais il y a quand même cette idée que rien n'est acquis, tout est redémontré. Ça fait un truc assez lourd, parce que cet ensemble de 10 volumes, plus un dernier volume publié en 2016, plus la deuxième édition de théorie spectrale qui est là, le dernier qui a été republié en 2019, ça fait 8000 pages. C'est un gros truc. Et on devine, si on feuillette les archives, on devine ce qui peut se passer, par exemple, sur ce volume de topologie algébrique. Enfin, il faut lire les archives et l'introduction. C'était prévu pour être le chapitre 11 du topologie générale. Il y a quasiment un plan qui tient la route dans un texte d'André Weil et de Samuel Eilenberg, daté de 1955, qu'on trouve en ligne. Et dans les archives, j'ai trouvé un texte de 1974 très proche du texte final et un texte de 1990-92 qui est intermédiaire. Donc c'est un boulot qui s'est mis. Et la raison pour laquelle des choses où ils savaient où ils voulaient aller dès 55 et ils ont mis 50 ans pour arriver sont assez compliquées, sont certainement liées à la transformation progressive du métier dans la deuxième moitié du XXe siècle, ça. Sont aussi liées au projet qu'ils ont eu de faire des éditions et des rééditions. Et donc une réédition, c'est l'occasion de repasser sur tout un livre pour le refaire. Et ce qui était sous-entendu, enfin, il y a une espèce de perfectionnisme qui, à mon avis, qui a été poussé peut-être à l'excès, et en tout cas un excès qui était plus soutenable au sens. Alors, quelle est la méthode? Il faut en parler un peu. C'est assez organisé. Vous avez vu tout à l'heure là, les textes dactylographiés d'époque, et il y en a, pour chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y a un texte. On trouve dans les archives des traces d'organisation du secrétariat, il y a des cotisations entre les membres pour arriver à payer les trucs. Il y a des convocations qui s'appellent diktat. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que diktat est un mot allemand, mais en général, il y a écrit Bobakis diktat avec l'apostrophe S anglaise, donc c'est un truc un peu bizarre, qui fixe l'ordre du jour, qui dit ce que chacun est censé apporter. Évidemment, c'est jamais. C'est un des vrais. Je ne sais pas dans quelle mesure ces diktats sont vrais ou faux. Il y en a un, par exemple, qui est.
qui est extraordinaire, qui dit qu'il y a un congrès qui va se tenir rue d'Ulm entre le 20 décembre et le 26 décembre. Et il est écrit « Aucune absence ne sera tolérée », y compris le 25 décembre. C'est précisé que ce n'est pas une fête reconnue par... Bon. Voilà. Donc ça, c'est la partie d'organisation. La partie qui est la plus intéressante, c'est, je pense, la partie en congrès, qui est, y a le boulot qui a été préparé avant, et puis il y a la lecture à voix haute des textes, et vraiment à voix haute. C'est-à-dire que les gens sont plus ou moins en cercle, comme ils peuvent, ça dépend de la salle. Parfois, il y a des photos où on les voit dans l'herbe, sur des chaises. Ouais. Et puis le texte proposé par le rédacteur est lu, et il est lu en général par les autres, et puis ça grogne à peu près à chaque virgule. Ou à chaque démonstration, enfin, ça grogne partout, ça peut grogner, c'est assez impressionnant. Et comment on sait ça? Parce que c'est documenté dans le compte-rendu détaillé qui s'appelle au début le journal de Bourbaki et après la tribu qui raconte. Donc il y en a plein d'archivés, c'est assez impressionnant. Sur un congrès d'une semaine, il y a 15 pages d'annotations qui vont de enlever la virgule, enlever telle démonstration, traiter tel cas plus général, traiter au contraire, on ne veut pas de ça. Là, j'en ai un exemple, et qui est aussi dans ce mélange de styles. Donc là, j'ai mis que la partie rigolote, mais qui est le début. Donc on voit qui était là en 49. Donc Cartan, Dieudonné et Rossmann, c'était les gens de l'origine. Godemans, Roger, je ne sais pas qui c'est. Samuel, Serge, Farz et Vell, c'était quelqu'un de l'origine aussi. Et puis vous avez des cobayes. Les cobayes, c'est des jeunes nouveaux qu'il s'agit de recruter en espérant qu'ils vont bien vouloir participer à l'aventure. Ou pas. Pour Blanche Farz et Valgrange, ça ne s'est pas fait d'ailleurs. Donc, après ce truc-là, les deux ont décidé que ça ne les intéressait pas plus que ça. Et puis, bon, vous avez ce texte marrant qui montre... on corrige les virgules, mais par moment, on en a marre. Quoi. Et donc là, Veil dit qu'il en a marre. Veil s'endormit, écœuré par les incessants déplacements de virgules. Et durant son sommeil, Bourbaki lui apparut en songe. À son réveil, il se leva et d'une voix tonitruante, harangua les fidèles et prêcha la réforme. En vérité, je vous le dis, nous ne pouvons continuer à perdre tout notre temps sur des broutilles. Lorsque le contenu d'un chapitre devient stable, etc., il décide de laisser les broutilles en plus petit comité. Et voilà, la foule, c'est assez rigolo. Alors, réception, elle est. On peut la prendre. J'ai tout mis en transparent. Le point de vue et le style adopté a eu, à mon sens, un succès. Extrêmement important, c'est-à-dire que les maths écrites à l'époque de Poincaré et les maths écrites par Bourbaki n'ont rien à voir, celles écrites par Bourbaki et celles qu'on écrit aujourd'hui restent assez proches. Y compris en maths appliquées, il y a un enchaînement lemme, proposition, théorème avec leur démonstration qui est là, alors que dans Poincaré, il y a un texte monolithique et les choses arrivent, les choses sont faites. Donc, de toute manière, le style a été adapté. Le fait d'aller du général au particulier, c'est resté aussi avec des bémols, au sens où chaque énoncé mathématique, en théorie, est autonome. Ça dit que quelque chose est vrai, en général, c'est suivi d'un argumentaire qui dit pourquoi c'est vrai. Mais on a des termes qui les hiérarchisent. Et cette hiérarchie, elle met les corollaires comme conséquence de théorèmes, elle met les lemmes en outils intermédiaires à des démonstrations de théorèmes. Et cette hiérarchie, une espèce de hiérarchie, et celle-là, elle s'est plus ou moins fixée à ce moment-là, pas seulement par Bourbaki, parce qu'il y a eu l'écriture de traités comme celui de Van der Verden en Allemagne, qui était un peu antérieur, et qui a déjà eu ce rôle-là, mais quand même, ça a eu un grand rôle. Je mets influence profonde et parfois répulsive, parce qu'en raison de plein de choses, y compris sociologiques, il y a des gens qui ont refusé ce style du général en particulier, en général le style Bourbaki, et aujourd'hui, ce n'est pas un compliment la plupart du temps dans une discussion avec des collègues. Il y a des innovations formelles, certaines qui ont tenu, d'autres qui n'ont pas tenu. Donc, par exemple, tous celles et ceux d'entre vous qui avaient passé par un peu de maths moderne ou de théorie des ensembles ont appris à écrire l'ensemble vide, l'ensemble qui n'a aucun élément avec un rond barré. Et ça vient de Veil, qui, dans la... vraiment, la lettre suédoise. Et puis, il y a une terminologie. Par exemple, toujours dans les maths modernes, les notions
l'application injective, injective, surjective. Ça, ça a été inventé un été en 54. Et dans un article de Serre, qui était dans un règle de maths de recherche, publié en 55, un article qu'on appelle FAC, pour faisceau algébrique cohérent, il utilise le mot injectif, et il y a une note de bas de page pour dire ce que ça veut dire. Et quand Serre en reparle, il dit, mais on ne pensait pas en 55 que l'innovation langagière tiendrait. Puis, en fait, celle-là a tenu. Il y a aussi des concepts qu'ils ont introduits pour la raison d'aller du général en particulier, c'est-à-dire que quand il y avait deux raisons d'obtenir une conclusion mathématique, mais deux raisons qui n'avaient rien à voir, il y avait cette volonté de voir s'il n'y avait pas une raison commune qui les unifiait. Ils ont passé un peu de temps, donc c'est comme ça qu'ils ont inventé la notion de ce qu'on appelle espace uniforme. Le détail n'importe quoi ici, mais la notion de filtre aussi. Donc, voilà sur la partie positive de la réception. Sur la partie négative, j'avais pas envie d'en écrire trop, sachant que ça sera enregistré, mais il y en a énormément. Et là, dans ce que j'ai écrit, je me limite aux zones d'ombre qui sont purement mathématiques, disons. Il y a des choix de présentation qui ont certains avantages, mais qui ont aussi des inconvénients. Donc, par exemple, en théorie de l'intégration, la théorie qui a été choisie, ce n'est pas exactement celle de Lebesgue. La conclusion, c'est qu'elle est totalement inadaptée à la théorie des probabilités. Ce qui limite la portée du bouquin pour quelqu'un qui voudrait faire la théorie des probabilités. Il faut qu'il aille apprendre les choses ailleurs. Alors, on peut faire le dictionnaire, mais c'est pas sérieux. Donc, évidemment, il n'y a pas de théorie des probabilités raisonnable dans Bourbaki, même s'il y a, à la fin d'intégration, il y a un chapitre 10 absolument délirant qui s'appelle intégration sur les espaces topologiques séparés avec des concassages et trucs comme ça, pour arriver quand même, apparemment c'est un tour de force de Branchfarth, à démontrer l'existence de ce qu'on appelle la mesure de Wiener, parce que quand même il fallait le faire. Mais là ils ont montré les muscles. Et ça ne marche pas, quoi. En complément de ces zones d'ombre, il y a l'absence des mathématiques appliquées qui, dans une description linéaire des maths, est forcément un peu après pas mal de choses. Donc peut-être que s'ils avaient eu plus d'énergie, ils y seraient arrivés, mais ça fait déjà 80 ans qu'il n'y en a pas. Donc il n'y a pas de mathématiques appliquées. Donc ça, c'est tout un point qui est clair, mais qui ne concerne pas trop les maths pures, les gens, a priori les gens comme moi, dont la théorie de l'intégration... celle-là leur va très bien. Mais par contre, ils ont raté pour le tournant de la théorie des catégories qui est apparu en 55, à peu près aussi. Alors, et là, de manière incroyable, c'est-à-dire qu'en 55, au sein de Bourbaki, il y a Samuel Eilenberg, qui est l'un des fondateurs de la théorie des catégories, il y a Henri Cartan, qui est fondateur de l'algèbre monologique avec le même Eilenberg. Donc, ces gens-là sont là, et ces gens-là sont parfaitement au courant de ce dont il s'agit, de l'importance, mais c'est un traité monolithique. Si on rajoute la théorie des catégories, il faut tout reprendre à la page 1. Et là, ils ont craqué. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient d'autres projets à faire. C'était le moment où ils avaient envie de développer la théorie des groupes de Lie, qui était en pleine explosion, avec Chevalet, etc. Et les volumes de groupes de Lie, par exemple, que je vais vous reprendre la liste qui est là, ceux qui s'appellent Lie, la groupe et Algèbre de Lie, c'est un volume tout à fait à part dans le chemin, parce que la plupart de mes collègues vous diront qu'aucun de ces livres n'a d'intérêt pour un mathématicien professionnel, sauf Groupe et Algèbre de Lie, qui là est un bouquin de base du mathématicien professionnel en Groupe et Algèbre de Lie. Tandis que les autres ont ce statut hybride d'ouvrage d'enseignement écrit pour les professionnels. On peut dire ça. Voilà. Et alors, je ne parle pas de la logique, là, c'est encore plus documenté. Il est très dur pour un mathématicien de démarrer une exposition des maths sans se demander ce qu'il est en train de faire et il va vouloir tout exposer, tout démontrer, tout justifier. Et il y a un moment, il se sent obligé de dire de quoi il parle et donc de justifier que ses mécanismes de raisonnement sont corrects. Et donc, c'est tout un pan de quelque chose qu'on peut appeler les maths ou la philosophie, je ne sais pas, mais qui concerne les fondations des mathématiques. Et il y a dans Bourbaki un chapitre de fondation complètement pourri, qui marche pas bien, qui a été écrit à tort ou à raison, dont le but est juste d'exister. Il n'est pas là pour ça, il n'est pas là pour servir. Et ça a été reproché, et c'est toujours reproché à Bourbaki ce chapitre-là. Je pense que les gens de l'époque s'en foutaient en fait. Il y a plein de textes qui montrent qu'ils n'étaient pas si sensibles
à l'explosion de la logique à cette époque-là. Pour donner des dates, le congrès de initial, c'est 34. Le théorème de complétude de Gödel, c'est 31. Le théorème d'incomplétude, c'est 36. Le théorème de Turing, c'est les années 41 à peu près. Donc c'est un moment, c'est un coche qu'ils ont essentiellement raté. Il y a des explications humaines pour expliquer qu'ils l'aient raté, comme ils étaient en contact avec Jacques Herbrand, qui est un jeune philosophe et logicien, mais qui s'est tué très très jeune dans un accident d'escalade en 1931. Donc ça a probablement raté ce truc-là. Bon, enfin, après, il y avait un processus qui a continué. Il y a des points aveugles qui sont plus durs pour moi à documenter, mais ou des zones d'ombre, parce que j'étais pas dans le milieu mathématique quand les mathématiciens dont j'ai cité les noms au début étaient extrêmement puissants, parce que ils étaient puissants à tous les sens du terme, ils étaient mathématiquement puissants et puis ils étaient sociologiquement puissants. Ce que tu disais tout à l'heure, il y a eu un côté parmi les membres de Bourbaki, ou certains en tout cas, de vouloir dire quelles étaient les bonnes maths et quelles étaient les mauvaises maths. Il y a ce livre Panorama des mathématiques pures de Dieudonné, donc on peut dire c'est un livre de Dieudonné, n'écrit pas son nom, mais là qui classe les mathématiques par ordre de pureté. Et la logique dont je parlais à l'instant est tout en bas, donc la théorie des nombres est tout en haut. Donc il y a ce genre de choses. On lui a reproché, là pour le coup à mon avis c'est à tort, son rôle dans le développement des maths modernes et la diffusion des maths modernes dans l'enseignement secondaire. C'est à tort pour plein de raisons. D'abord parce qu'il s'en foutait, je pense, manifestement, quand on lit les textes, il s'en foutait royalement. Et d'autre part, le développement des maths modernes est quelque chose qui est mondial. On le trouve aux États-Unis et on le trouve à d'autres endroits. Donc je pense que ce serait intéressant de comprendre pourquoi, dans les années 60-70, ces maths modernes ont voulu rentrer dans l'enseignement secondaire. Mais à mon avis, ça dépasse largement Bourbaki. Pardon ? Et le primaire. Voilà, et alors dernière chose, dans les points aveugles, il y a des choses qu'on trouve dans la correspondance entre certaines personnes. Par exemple, il y a une correspondance phénoménale entre Veil et Tate. Pardon. Non, entre Cartan et Veil, excusez-moi. Veil et Tate, il me semble moins phénoménal, je ne sais pas. Non, entre Cartan et Veil. Donc, ce qui s'est passé quand on regarde les personnes, pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1939, Veil était à ce moment-là en Finlande, a refusé de se soumettre à l'ordre de mobilisation, a fini par être fait prisonnier parce qu'il a été pris en fait par la police finlandaise. Il a été, paraît-il, sauvé in extremis de l'exécution, mais bon, ça, c'est possible qu'il enjolive un tout petit peu sa légende. Malgré tout, il a été récupéré par la France, mis jugé pour insoumission, emprisonné, et lui disait, il y a des phrases absolument terribles de la part de quelqu'un qui était juif, disant « ce n'est pas ma guerre ». Donc en même temps, je ne sais pas si vous avez vu, il n'y avait aucune femme dans l'exposé précédent, j'avais des photos où il y a deux femmes, dans les photos que j'ai sur le sujet, j'en ai deux où il y a des femmes, il y en a une, c'est la photo où il y a le chauffeur. Il y a un des mathématiciens qui disparaît pour prendre la photo et on voit la secrétaire du groupe, Marie-Thérèse Bastien. Et l'autre, c'est une jolie photo plus classique où ils sont tous devant un Porsche. C'est Cartan qui prend la photo et on voit Simone Veil au premier. Donc Simone Veil était la sœur d'André Veil. André Veil était plutôt le frère de Simone Veil. Voilà, mais donc quand on voit l'engagement de Simone Veil pendant la Seconde Guerre, le Veil, au contraire, André refusant de s'engager, partant aux États-Unis et faisant toute une carrière là-bas, mais essayant de revenir en France via le Collège de France, échouant contre Jean Leray. Et la correspondance entre Veil et Cartan est terrible. On voit les pouvoirs qui se battent, on voit ce qu'ils disent les uns des autres et comment les gens se circulent, on voit comment les propositions de Medai Fields se discutent entre eux. Donc il y a tout cet aspect pouvoir. Est-ce qu'il est lié au groupe Bourbaki ou est-ce qu'il est lié à ces deux individus? Je ne sais pas. Enfin, il était là et manifestement, il était ressenti comme faisant Bourbaki par une grosse partie de la communauté de l'époque. Donc, c'est difficile de juger. Je n'ai pas regardé combien de temps j'ai parlé. On est à une demi-heure. Bon, ben, c'est la fin. Donc,
Donc il y a un texte très intéressant d'André Weil, dont j'ai mis des extraits sur la page d'après, qui s'appelle « Organisation et désorganisation en mathématiques ». C'est un texte d'une conférence, une conférence informelle d'une fondation japonaise, et où il fait la différence entre ce que c'est qu'un organisme et ce que c'est qu'une organisation, le caractère vivant, parce qu'il parle d'organisme comme organisme sain, il dit explicitement « je ne parle pas de cellules cancéreuses », comme ça, et qu'il oppose à l'organisation et son caractère bureaucratique. Mais je pense que la tension organisme-organisation dans Brouwaki se voit quand on observe. Malgré tout, c'est son initiative, les membres quittent le groupe à 50 ans, ce qui fait que les 9 membres fondateurs à un moment ont été remplacés par d'autres. Vous pourrez trouver la liste si vous voulez, parce qu'il y a des listes qui circulent. Par cooptation, donc là, on a tous les mécanismes pervers de la cooptation. On voit très bien comment ça se fait quand quelle personne fait venir ses élèves, ses amis, etc. Et ça n'a pas toujours donné que du bien. Donc il y a des membres, disons, honoraires, ceux qui ont plus de 50 ans, ceux-là, on trouve la liste. Et puis il y a le principe du secret, qui est parfois un secret polichinelle, peut-être, c'est-à-dire que les membres en activité, leur nom ne circule pas. Il y a quelques jours, un entretien sur France Culture d'un membre de Brouwaki qui est resté anonyme, mais qui expliquait que comment lui voyait le secret comme moyen d'affirmer l'identité collective. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que dans les livres là qui s'appellent ceux du début là, ceux-là ou les autres, on ne sait pas qui les a écrits d'autres que N. Brouwaki. Il n'y a pas de mention tel chapitre a été rédigé par machin. Tout le truc est assumé sous ce seul nom. Et d'ailleurs, dans les statuts de l'association des collaborateurs de Nicolas Brouwaki, qui est une association qui s'est créée dans les années 50, plus ou moins pour organiser un peu tout ça, dans les statuts, il est écrit que si on participe à cette les membres de cette association, c'est pour participer à la rédaction du traité, et qu'il est publié sous ce nom-là, et pas sous un autre. Voilà. Donc ce texte de 61, Weil reparle un peu, il parle de deux choses, il parle de la création de l'Institute for Advanced Study à Princeton, et qui met en regard de Brouwaki, qui sont pour lui deux exemples d'organismes vivants qui fonctionnent bien. Malgré tout, donc il considère que ce qu'ils étaient très, très naïfs et très ignorants au début de vouloir faire les choses. Ce qu'il dit quand même, c'est que ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il fallait désorganiser. Ils prétendent que ce qu'ils ont mis au début, c'est de mettre toutes leurs idées ensemble et puis de voir ce qu'il advenait, quoi. Ce qu'il dit pour à leur propre cette espèce. Stupéfaction. On devine aussi dans ce texte que dans les réunions de Brouwaki, il n'y a pas de président de séance. Ça signifie que là, je vous ai dit tout à l'heure, les gens lisent les textes à voix haute. Chacun parle qui a envie de parler, tout le monde a le droit de l'interrompre. S'il en s'aperçoit qu'il n'a rien d'intéressant à dire, on s'arrange pour le faire taire. S'il veut continuer de parler, on est obligé de crier plus fort. Enfin, oui, il est obligé de crier plus fort. Il y a une allusion au poème de Hilary Spiegel de Strauss. Et donc il termine par ce truc-là. J'ai voulu mettre en valeur le caractère anarchique de ces discussions qui s'est conservé dans toute l'existence de ce groupe. On est à la fois entre mythe et pratique, là, honnêtement. Parce que dans le groupe, je vous ai montré tout à l'heure les photos, quand Dieudonné gueulait, ça ne se passait pas pareil. Enfin, les autres gueulaient pas toujours. Voilà. Par contre, là, il dit comment un groupement aussi désorganisé, aussi anarchique, a pu arriver à des réalisations concrètes. Il insiste sur qu'aucune n'est le produit d'un travail individuel, et que même si la logique aurait été qu'on sectionne, toi t'écris tel chapitre, toi t'écris tel autre, l'idée, ça s'est pas fait comme ça, et ils ont fait un travail collectif du groupe. Donc, la naissance d'un organisme vivant est un phénomène dont les conditions sont difficiles à décrire et qui ne peut pas se répéter à volonté. Et moi, j'aurais envie d'ajouter, c'est que la survivance d'un organisme vivant est quelque chose qui est difficile à décider. Quoi. Je ne sais plus. Voilà. Et puis, juste deux transparents rapides pour parler de l'autre activité du séminaire Brouwaki, de Brouwaki, qui est le séminaire Brouwaki, qui aujourd'hui est considéré comme l'activité utile du groupe. C'est pareil si vous faites un sondage parmi les collègues. Donc, les séminaires, c'est quelque chose qui
existait en Allemagne depuis le milieu du 19e siècle. Félix Klein avait un truc qu'il appelait colloquium et qu'il amenait dans toutes les universités, qui concernait d'ailleurs souvent à la fois les maths et la physique chez Klein. Et puis, ils sont apparus en France par Adamar, qui, en marge de son cours au Collège de France, a décidé de filer du boulot aux participants et de leur dire « Tiens, raconte-moi tel article qui sort, etc. » Donc là, il y a un travail, une autre organisation collective, c'est-à-dire au niveau de la recherche, d'auto-explication de ce qui se passe. Donc, séminaire interrompu par la guerre. Et puis, Julia, entre 1933 et 1937, avait aussi créé cette idée d'apprentissage collectif dans un séminaire. Et chez Julia, c'est un peu différent, parce que Julia propose un thème pour l'année, et les participants, il est question que de ça pendant l'année. Donc, et en 48, Bourbaki crée leur séminaire à eux, le séminaire Julia s'arrête d'ailleurs. Et ouais, j'ai résumé trois règles. D'abord, c'est un séminaire sur invitation, donc, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui demande à parler, c'est les membres du groupe qui l'invite à parler et à parler de quelque chose. Donc les résultats ne sont pas exposés par leur auteur. Ça signifie qu'on demande à quelqu'un de parler des travaux de quelqu'un d'autre. Donc là, il y a le collectif se remélange et ça joue beaucoup, je pense, dans la qualité des textes, qui est évidemment inégale, mais qui est que les textes sont relus, revisités par quelqu'un d'autre. Et puis, il y a la livraison d'un texte écrit distribué le jour même. Donc, il y a aussi un travail de mémoire. Et donc, aujourd'hui, si on met tous ces séminaires Bourbaki côte à côte, il y a 1187 exposés fin novembre. Quoi. On en est à 74 ans. Quoi. Et il y a eu deux interruptions en tout et pour tout dans ces 75 ans, qui sont en mai 68, où Cartier m'avait dit c'est que la rue Gay-Lussac, il y a le pavé, c'était pas la peine de venir. Et puis, l'année 2020, où le séminaire a décidé de ne pas se mettre en ligne. Quoi. Entre mars 2020 et mars 2021. Donc c'est une autre activité collective avec il y a un petit collectif au sens qui a un groupe plus ou moins anonyme qui distribue les invitations disons, et une chose moins qui est plus collective qui est c'est-à-dire ça se passe souvent ici au sein de cette salle le partage de travaux faits par d'autres, donc officiellement pas pour se mettre en valeur. Alors je dis officiellement parce qu'après le revers de la médaille c'est que le prestige du séminaire, le prestige des fondateurs et de leurs successeurs est tel que être invité, avoir été invité, enfin, qu'il y a eu des travaux, des exposés sur ces travaux, parfois joue comme un signe extérieur de richesse, je veux dire, et ça c'est un effet pervers du système. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire sur ce point. Merci. On peut essayer de trier dans les questions celles qui vont être en commun avec l'exposé d'après sur. On peut aussi faire toutes les questions après. Hein. Toutes les questions après, mais si on a une question spécifiquement au Bourbakienne maintenant. Il y a eu une femme? Il y a. Il y a eu une. Il y a. Ah, ça, je ne dirais pas combien, mais il y a. Des gens plus âgés que moi, il n'y en a pas. Hein. Mais il y a eu des refus. Donc il y a des gens, les refus ne sont pas documentés. Enfin, moi, je ne suis pas allé fouiller les documents. Mais il y a des femmes dont on sait qu'elles ont été approchées et qu'elles ont dit que ça ne les intéresse pas. Une question un peu naïve. Je comprends bien le fonctionnement collectif, la façon dont ça circule, etc., les modes de cooptation pour que la communauté grandisse dans le temps. Mais pourquoi elles sont... Enfin, j'ai pas vraiment compris pourquoi il y a ce voile de mystère autour du collectif. Pourquoi ça perdure encore aujourd'hui, sachant que visiblement c'est un truc peut-être polychinelle. C'est semi-polychinelle, hein, au sens où... moi, quelqu'un a fait mon public out, donc c'est bon. Mais effectivement, il y a un moment où, quand je réservais l'amphi pour le séminaire, ou que je réservais trois jours une salle là-haut, il fallait bien que je dise pourquoi je le faisais. Donc, voilà. Là, il y a des trucs qui se savent, qui se savent. Ou quand on demande de l'argent au CNRS, parce que je ne l'ai pas dit, mais le séminaire Bourbaki, il y a ces brochures qui sont là-bas, je peux en montrer. Il y a ces brochures-là, ça c'est celle du séminaire
qui est en octobre dernier. Et ces brochures-là, il faut les imprimer, il faut les payer. Donc, il y a une subvention du CNRS de dizaines de milliers d'euros qui paye ces brochures et les frais de transport des invités, en fait, qui ne les payent pas complètement. Donc, il y a assez d'AMR de copains et tout comme ça pour financer ça quand il faut, quoi. Mais c'est quand même un combat de financer. Donc là, ben oui, il y a un certain nombre qui sont connus, mais je sais qu'il y a des... Alors, quand on regarde la liste, entre guillemets, publique, celle que Wikipédia donne, je ne vois pas d'erreur, mais je vois des absents. Et parmi ces absents, il y en a qui... Donc, je ne sais pas s'ils regardent être absents, mais je sais qu'il y en a qui ne souhaitent pas être visibles. Donc il faudrait leur demander pourquoi ils ne le souhaitent pas. Après, c'est aussi une façon de voter en touche, c'est-à-dire, à la fin, c'est un truc collectif, c'est pas lui, c'est pas moi. Et je pense que ça compte. Est-ce que c'est aussi pour évacuer les questions désagréables? Mais de toute façon, si vous me posez une question désagréable, je dirais que c'est d'abord le... Je pense que non, mais c'est pas à moi d'y répondre tout ça. Donc on avait prévu d'enchaîner les deux pour avoir la discussion par la suite. On va faire ça. Pardon ? C'est Macintosh. Oui. On va voir, est-ce que ça marche? Voilà. Bonjour, merci pour cette invitation. Donc, je dois me présenter, je pense. Donc, je m'appelle Catherine Goldstein, c'est marqué au tableau. Je suis directrice de recherche au CNRS. Ça a déjà été dit, je m'occupe plutôt d'histoire des maths, mais je vais y revenir. Mais je travaille dans un laboratoire de mathématiques, hein, donc l'Institut de mathématiques de Jussieu Paris Rive Gauche. Et je dépends en tant que directrice de recherche au CNRS, je dépends de l'INSMI, c'est-à-dire de l'Institut de maths du CNRS, hein, pas de l'Institut de sciences humaines et sociales. Donc, disons que dans les mathématiciens et mathématiciennes qui vont parler aujourd'hui, moi je suis la chauve-souris, donc s'ils sont les mammifères, moi je suis la chauve-souris un petit peu, c'est-à-dire j'ai commencé comme théoricienne des nombres à Orsay. J'ai été engagée au CNRS comme théoricienne des nombres. Et si je suis devenue historienne, c'est précisément pertinent, disons, pour ce que je vais raconter aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne venais pas d'un milieu universitaire du tout et j'ai été frappée dès le départ, pratiquement, par ce que j'ai vécu vraiment comme un contraste, voire une contradiction, entre un sentiment très fort émanant de mes collègues d'une communauté de mathématiciens et de mathématiciennes. Et je pense que ça, c'était tout à fait clair dans l'exposé d'Isabelle au début. C'était exactement ce genre d'impression. C'est-à-dire qu'il y a une communauté soudée, assez large, qui a des organisations collectives fluides, aussi des valeurs collectives très importantes, d'intégrité, de souci, de vérité, de preuve, etc., de rigueur, y compris dans l'administration, d'attention aux autres, au moins à l'intérieur de cette collectivité. Donc, une sensation forte de communauté. Et puis, en même temps, une présentation de soi, particulièrement vis-à-vis de l'extérieur, qui était individualiste, très élitiste, hein, et, je dirais, vraiment basée sur une succession à travers les siècles d'hommes occidentaux blancs qui avaient l'air de gérer entièrement l'évolution du domaine. Et pour moi, c'était totalement bizarre et contradictoire. Et c'est cette contradiction que j'ai essayé de
résoudre en me mettant à réfléchir dessus de plusieurs façons, je vais en parler, et finalement à l'intérieur d'une nouvelle discipline de recherche qui a été l'histoire des maths, qui avait l'air d'être une discipline raisonnable pour fixer au moins mon activité professionnelle de recherche et en même temps continuer à réfléchir sur ces questions. Donc c'est ça dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est-à-dire cette espèce de contradiction, est-ce que je peux en comprendre d'une certaine manière? Ça sera évidemment lié aux deux autres exposés d'ailleurs avant. Pour vous montrer un petit peu en détail ce que je veux dire par là, je voulais vous lire immédiatement une présentation qui a été faite par le président de la Société mathématique de France en 2009, donc c'était Stéphane Jaffa. Ça pourrait être fait maintenant, vous allez retrouver des thèmes qu'on a déjà entendus ce matin, enfin, tout à l'heure. Ça aurait pu être fait 20 ans avant aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment un discours qui, à mon avis, est très caractéristique, très typique de ce qu'on entend au sein de la communauté, en particulier des maths pures. Donc je vous le lis brièvement. Les mathématiciens ressentent depuis longtemps la nécessité de mieux faire connaître leur discipline qui est mal aimée. Le faire est devenu aujourd'hui indispensable suite aux mutations récentes du pilotage de la recherche, dont les grandes orientations sont de plus en plus fixées par des politiques ou des décideurs. Notre discipline se sent plus directement remise en question que les autres par ces bouleversements. Le réseau des laboratoires de mathématiques, tissé patiemment depuis 20 ans, donc ça c'est à quoi Isabelle a fait allusion tout à l'heure d'ailleurs, a permis aux mathématiques de se maintenir au plus haut niveau mondial. Ce réseau est aujourd'hui menacé par une politique qui risque de favoriser le repli de la recherche sur quels établissements dits d'excellence. 2009, hein. À une époque où l'on demande à chacun de prouver sa rentabilité immédiate, où l'économie gère la société, il est devenu difficile de justifier le maintien d'une recherche gratuite, non finalisée, dont le but ultime soit l'extension de la connaissance humaine. On peut à minima arguer du fait que la recherche la plus abstraite et la plus désintéressée se trouve souvent, quelques années plus tard, être un outil clé totalement inattendu dans une grande percée technologique. Pourquoi la société a-t-elle une perception erronée des mathématiques ? Alors que même ces chercheurs ont le sentiment d'être les acteurs d'un domaine en pleine explosion, plus que jamais indispensable aux autres sciences et à la technologie, à mon avis, une des clés de la réponse est dans la main des médias. Il nous est quasi impossible d'expliquer les enjeux, on pourrait dire des autres disciplines d'ailleurs, d'expliquer les enjeux qui se cachent derrière les problèmes internes aux mathématiques, faute de pouvoir mettre en avant les réalisations pratiques spectaculaires dont l'intérêt soit directement perceptible. Alors, je reprends rapidement ce discours parce que c'est tout à fait les thèmes qu'on voit en général. Donc, discipline mal aimée, mal connue, et une discipline à risque de perdre un certain nombre de ses critères et de ses moyens d'existence. Une communauté qui est active, qui est organisée et qui est étendue. Les mathématiques sont utiles à la société, à la base d'avancées technologiques, scientifiques, industrielles. Et puis le double problème, disons, qui est comment justifier la partie théorique, la partie importante des mathématiques, le cœur, disons, du métier, la partie théorique. Et là, c'est le long terme de l'utilité qui est toujours mis en avant, c'est-à-dire ça ne sert pas maintenant, mais si vous êtes patient, à long terme, ça va servir. Donc c'est cette affaire de long terme, et à mon avis, c'est sur ce long terme, je pense qu'on en a d'ailleurs entendu parler déjà dans l'exposé d'Isabelle, c'est ce long terme qui, à mon avis, pose un problème assez sérieux dans les rapports avec justement les politiques, les médias et les autres disciplines. Et puis donc, comment communiquer avec ces médias, ces politiques, etc. Alors, pourquoi j'ai donné ce discours et ces grandes lignes ? C'est parce qu'en fait, ce discours s'inscrit dans une suite de discours de la communauté mathématique dans son ensemble, qui ont au moins commencé, au moins en ce qui me concerne, dans les années 80. Donc, je pense que ça a commencé peut-être avant, mais donc je ne pourrais pas vous en parler avant. Et c'est la série qui s'appelle « Mathématiques à venir » en particulier. Donc, il y a eu plusieurs événements, et des événements à grande échelle de la communauté mathématique, au moins à partir de 1987. Alors ça, c'est directement lié à l'exposé d'avant, parce qu'en 1987, il s'agissait de résoudre deux problèmes de la communauté, de sortir de l'ère Bourbaki, et c'était totalement explicite, c'est-à-dire le type Bourbaki, sans les applications, sans la logique, sans plein de mathématiques, avec le côté élitiste et très masculin, avait régné sur la communauté mathématique, et il s'agissait de changer cela. Donc ça, c'était un des aspects importants pour cette opération. Et puis aussi, quelque chose qui a été un certain choc, en fait, qui était la création d'une autre société mathématique,
dans cette communauté qui était censée être unique et soudée, qui était la Société de mathématiques appliquées et industrielles, qui a été créée, je crois, en 83, si quelqu'un peut me confirmer la date. Donc, juste avant cette organisation. Et puis, une pyramide des âges héritée de l'après-deuxième guerre mondiale qui devenait catastrophique, donc avec un vieillissement évident de la population et pas de renouvellement. Donc ça, c'était l'enjeu du premier congrès. Et c'est un congrès donc, qui a réuni à Polytechnique des tables rondes, des industriels, discutant des problèmes de société, d'application, de mathématiques, mais aussi une enquête dans 50 lycées sur l'image des mathématiques. C'est là d'ailleurs où mes chers collègues ont découvert que l'image des maths chez les filles et l'image des maths chez les garçons, ce n'était pas la même chose. Et c'était le premier choc, je dirais, de genre de la communauté. Mais aussi une plaquette sur les maths qui a été distribuée à 6000 journalistes et politiques. Alors une vraie plaquette, pas juste renéotypée, etc., mais sur papier glacé. Vous avez une image ici qui bon, était plus ou moins reprise dans les différents colloques MathAvenir, mais en tout cas qui était déjà en action. Je pense que c'est une image très intéressante sur ce qu'elle met en avant. Elle a été beaucoup discutée, donc bon, je ne vais pas commenter l'iconographie, mais ça mériterait aussi ça. Donc ça, c'était une première opération, et puis il y en a eu plein d'autres. Il y a eu l'année de l'UNESCO, Math 2000, c'était l'année des maths à l'UNESCO, et puis un deuxième colloque en 2009 sur les mêmes bases que le précédent, mais cette fois avec d'autres enjeux locaux. Ben vous les connaissez, l'autonomie des universités, la fameuse crise financière qui mettait en cause les mathématiciens et les mathématiciennes et les mathématiques et qu'il fallait essayer de discuter. Et une baisse des effectifs, cette fois moins des effectifs des collègues que des effectifs des étudiants en sciences qui affectaient tout particulièrement les mathématiques et qui avaient un impact sur la fermeture de formation complète, en particulier en province. Donc, il y avait d'autres enjeux locaux, mais comme vous avez vu le discours de Stéphane Jaffard, il y avait aussi ce discours qui est à peu près le même depuis maintenant 30 ou 40 ans, dont on reprend les points essentiels, quels que soient les enjeux plus locaux qui amènent à ces opérations. Alors, ce que je voulais vous montrer en particulier, c'est comment ces problèmes qui sont soulevés en ces termes trouvent des solutions qui, à mon avis, créent d'autres problèmes. Et bon, c'est un petit peu là où je voudrais en venir maintenant. Et pour ça, donc, je voulais juste évoquer la fameuse plaquette distribuée aux responsables politiques et aux journalistes de 1989. Alors, je ne l'avais pas sur moi, donc je suis désolée, mais je voudrais juste vous expliquer comment elle était faite. Donc, il y avait d'abord une double page d'application des mathématiques, donc pour montrer que les mathématiques étaient dans le quotidien de tout le monde, donc avec des cartes bancaires, des avions, des choses comme ça, donc illustrées par des objets techniques du quotidien ou plus techniques et des dessins techniques. Et ensuite, il fallait donc illustrer le fameux long terme des mathématiques pour justifier les mathématiques théoriques. Et là, la façon dont ça a été fait, ça a été de mettre essentiellement des portraits individuels de mathématiciens pour essayer de justifier la partie théorique des maths. Puis ensuite, une double page sur l'enseignement et puis le problème de pyramide des âges, que faire, que vouloir, etc. Donc, cette double page des mathématiques théoriques illustrée par des portraits, je pense que c'est un classique, en fait. Je pense que dans beaucoup de cas, quand il s'agit de parler des mathématiques aux politiques ou à un public plus général, ou d'être en contact avec des journalistes, on se retrouve à parler d'individus spécifiques, éventuellement des individus collectifs, comme Bourbaki, mais en tout cas centrés autour de quelques personnalités séparées. Alors, je vais vous montrer mon action extraordinaire, mirifique, dans cette affaire. On était quatre à faire cette plaquette à la fin. Et la première version, c'était ça. C'était les portraits de Pythagore, Pascal, d'Alembert, Poincaré et Bourbaki. Et mon intervention a consisté à remplacer le buste de Pythagore par une page des éléments d'Euclide, avec le théorème de Pythagore, dans une version médiévale en arabe. D'accord ? D'introduire Sophie Germain dans la suite des portraits et de remplacer Bourbaki par la photo d'un colloque mixte contemporain. C'était un triomphe dont vous apprécierez la portée, j'espère. Bon. Donc,
C'était, en fait, ça a l'air très, bon, je plaisante un peu avec ça, mais c'était difficile. Ça n'avait absolument rien d'évident. D'abord, donc, avec tous les arguments que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire Pythagore, c'est quand même le seul théorème que tout le monde connaît, donc on ne peut pas le rater, même si l'idée que les mathématiques sont nées en Grèce, ont fait un grand bond et se sont retrouvées en France au XVIIe siècle, c'est quand même une idée qui a été complètement balayée par l'historiographie depuis des décennies, mais pouf, chassé le naturel. Donc, il nous fallait Pythagore. Bon, donc, ma bataille, c'était de montrer comment il avait vraiment circulé, ce fameux Pythagore. D'introduire une femme qui n'était pas au niveau mathématique de Poincaré, etc. On m'a aussi dit, d'ailleurs, bon, ça, je pense qu'on ne le dirait plus maintenant, mais on m'a aussi dit que peut-être il fallait une femme plus séduisante que Sophie Germain, parce que sinon, ça n'allait pas attirer les étudiantes. Je leur ai remontré le portrait de Poincaré. Bon, mais je veux dire, c'est amusant, mais c'est en même temps terriblement instructif, je pense, de ce qui se joue. Donc, on a l'histoire comme un élément tacite, mais omniprésent, de l'interface entre mathématiques et société. C'est justifié par le fait qu'il s'agit vraiment de montrer le long terme des résultats mathématiques. Cette impression de long terme, elle est très forte, très importante, je pense, pour cette communauté. Elle fabrique aussi cette communauté. Le problème, c'est qu'évidemment, comment est-ce qu'on raconte cette histoire sur 10 000 ans ? On la raconte avec des petits bouts de personnages, et ça introduit d'autres effets. Bon, c'est souvent une histoire qui est produite par les mathématiciens eux-mêmes, et il faut se souvenir que Bourbaki a écrit aussi une histoire des mathématiques, qui est aussi tout à fait dans l'esprit de Bourbaki, d'une certaine manière, mais ils ont aussi créé ça, et Veil était aussi un historien. Bon, une histoire réduite, évidemment, à des héros relativement isolés, est construite autour d'identités à long terme, identité de preuves et de théorèmes, etc. Et on retrouve la même chose dans les présentations des maths, par exemple, aux étudiants de première année. J'ai revu ça récemment sur un amphi de L1, où on expliquait que le théorème de Pythagore, ou un autre théorème, c'est un théorème qui n'a pas changé depuis des milliers d'années. Donc, comme j'écris au tableau, en fait, l'élitisme qui a été viré, disons, par la porte, vraiment, et qu'on essaie de faire sortir, et bon, je pense qu'on a entendu Isabelle là-dessus, en fait, rentre par cette fenêtre de la présentation pseudo-historique des mathématiques quand on est dans une interface avec un public, alors d'enfants, d'étudiants, de journalistes ou de politiques. Et par exemple, quand ils ont réintroduit dans les programmes de CAPES l'histoire des mathématiques, eh bien, ça a commencé par « il est important que les enseignants du secondaire connaissent la biographie de personnages essentiels ». Et les personnages essentiels, c'était Pythagore, Thalès, blablabla, etc. Je vous passe les biographies de Pythagore et de Thalès. Alors, donc face à ça, comme j'ai dit, on a quand même essayé de travailler parmi les historiens des mathématiques et des sciences depuis des décennies pour transformer cette image et étudier les choses autrement. Donc, et c'est tout à fait frappant de constater que l'historiographie des mathématiques des 30 dernières années essayait désespérément de remettre ces images en question de plein de façons différentes. Donc, soit en étudiant des structures connues, établies, disons, de la communauté des mathématiciens à travers les siècles, donc ça peut être simplement l'histoire de la Société mathématique de France, l'histoire de certaines académies où il y avait du travail collectif qui était fait, dans des modalités variées, bien avant Bourbaki, l'histoire des journaux scientifiques, des journaux mathématiques en particulier, comment est-ce qu'ils étaient fabriqués, comment est-ce que les évaluations étaient faites, comment les auteurs étaient choisis, pas choisis, des choses de ce genre. Bon. Ou bien, carrément, en reconstruisant des réseaux, des collectifs, des circulations d'informations, des circulations de théorèmes autour de personnes, de textes, de concepts, etc. Bon. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je pense que ce n'était pas le but de l'opération, mais j'ai juste mis quelques ouvrages qui vont dans ce sens au tableau, mais il faudrait enfin couvrir ma diapo de textes, d'articles, etc., qui vont tous dans le même sens. Donc, je voulais donner deux exemples, mais peut-être que j'aurai le temps d'en donner qu'un. Oui, sans doute.
Bon. Donc, un exemple, je l'emprunte à Caroline Erhardt, c'est l'exemple de Galois, parce que donc, c'est un exemple centré autour d'un des héros des mathématiques, clairement. Donc, l'histoire standard de Évariste Galois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent, même au-delà du cercle des mathématiciens et mathématiciennes. Donc, génie précoce, début du 19e siècle, maltraité par l'institution, puisqu'il est refusé à Polytechnique, son manuscrit génial est refusé à l'Académie des sciences, il est perdu ensuite en partie, donc on a vraiment la totale, parce que ce manuscrit et ses travaux offraient déjà une vision qui est souvent qualifiée de pré-structuraliste, donc il a plus ou moins vu inventer la théorie des groupes avant qu'elle n'existe. Un Galois qui est aussi engagé politiquement et du bon côté, du côté des révolutionnaires quand il faut l'être, qui meurt en duel en écrivant une lettre testament de mathématiques, donc vraiment un héros romantique, et resté incompris pendant des décennies, bon, avant que justement il ne soit récupéré par la théorie de Galois. Alors ce que Caroline Erhardt, et puis d'autres aussi, mais bon, elle a écrit deux livres sur lui, donc elle en particulier, ont montré, c'est d'une part que donc ces fameux refus successifs à l'Académie, etc., ça faisait partie des normes assez banales à l'époque, c'est-à-dire que beaucoup de manuscrits sont refusés une première fois parce qu'il s'agit de normer l'activité des jeunes qui proposent des travaux de recherche. Donc, il y a toute une activité d'enseignement indirect pour les jeunes mathématiciens en herbe de la part des académiciens. Bon. Sauf qu'il se trouve que Galois avait très mauvais caractère, donc il l'a plus mal pris que d'autres personnes. Mais bon, à part ça, donc, les manuscrits perdus, c'est assez fréquent aussi. Hermite, par exemple, qui était beaucoup plus raisonnable, a aussi vu ses manuscrits perdus, et il y en a plein qui ont été perdus. Si on commence à regarder en détail l'emploi du temps des académiciens de l'époque et le nombre de rapports qu'ils faisaient, c'est absolument délirant. Bon, je sais bien qu'ils n'élevaient pas leurs enfants, mais c'était quand même tout à fait impressionnant, le nombre de rapports et l'étendue des rapports que tu réclamais tout à l'heure, l'étendue des rapports qui sont faits. C'est-à-dire que parfois, ils trouvent des meilleures solutions. Il y a tout un travail de relecture des manuscrits ici. En fait, les résultats de Galois ont été diffusés assez rapidement. Ils ont été aussi intégrés, mais pas dans le bon point de vue. C'est-à-dire qu'ils ont été intégrés par des gens qui avaient d'autres priorités que ce qui sera après vu comme la priorité importante, la priorité essentielle de la théorie de Galois. Et puis, surtout, il y a ces nouveaux récits assez mythologiques qui se mettent en place sur Galois, comme génie incompris, à la fin du XIXe siècle. Et ça va de pair avec une nouvelle position de l'école normale supérieure. Donc, au début du siècle, quand Galois travaille, c'est l'école polytechnique qui forme en France la plus grande partie des mathématiciens. L'école normale supérieure est une école plus médiocre, disons, destinée à fabriquer plutôt des enseignants. Et ça change évidemment au cours du XIXe siècle, en particulier à la fin du XIXe siècle. Et Galois apparaît comme un des héros potentiels illustrant la nouvelle donne, disons, des grandes écoles en France, et en particulier l'importance de l'école normale supérieure. Donc il y a plein de phénomènes collectifs comme ça qu'on peut mettre en place autour de l'image assez mythifiée de Galois, qui montre donc une autre perspective sur ce qui s'est passé autour de son travail et de lui-même aussi. L'autre exemple que je voulais donner, 5 minutes, c'était justement l'exemple d'une discipline. Parce que ça aussi, c'est, je pense, assez significatif. Donc, on a les mythes autour des personnes, mais on a aussi les mythes autour de la manière dont l'histoire se fait, les mathématiques évoluent. Et en particulier, donc, revenu à plusieurs reprises sur la question de l'histoire de la théorie des nombres, bon, qui a été mentionnée comme justement un des domaines d'excellence le plus pur et très bien vu par les Bourbakis. Et donc, dans les années 80 et 90, l'histoire de la théorie des nombres, c'était une histoire qui était réduite à, comme le dit André Weil lui-même dans la citation que vous avez au tableau, un petit groupe choisi d'hommes. Donc, les noms de Gauss, Jacobi, Dirichlet, Kuma, Hermite, Eisenstein, Kronecker, Detkin, Minkowski, Hilbert viennent à l'esprit. Donc,
un certain nombre de personnes comme ça, et puis une histoire qui était centrée autour d'un type de résultat central qui agissait comme un moteur de tout le développement. Donc, en l'occurrence, ça s'appelle la loi de réciprocité. Bon, je n'aurai peut-être pas le temps de dire ce que c'est, mais c'est une loi qui permet de réunir les briques de la théorie des nombres que sont les nombres premiers. Et puis, l'extension de l'arithmétique depuis les entiers ordinaires à des entiers plus compliqués où les lois usuelles de l'arithmétique ne sont plus valables et donc où on doit développer de nouveaux points de vue pour réussir à faire la même chose, en particulier avoir une bonne notion de premier qui ne marche plus au niveau des nombres et qui force, si j'ose dire, les gens comme Kummer ou Dedekind à se déplacer vers un point de vue plus structural. Bon. Et ça implique donc une seule dynamique positive et féconde, la mise en place de ce point de vue structural avec purification des méthodes. C'est à peu près l'image qu'on a d'ailleurs de Bourbaki, je pense. C'est-à-dire, on purifie les méthodes comme ça. Donc, on a une image, alors bon, je vous l'ai fait un peu caricaturale ici, mais assez linéaire, avec des petites têtes qui se parlent mutuellement comme ça. Et bon, voilà. Et surtout, le développement d'un morceau de la théorie des nombres, disons, qu'on appelle bon, la théorie algébrique des nombres, d'un grand homme à un autre, avec une purification, une autonomisation du domaine et une purification des méthodes. Alors, je pense que je n'ai pas le temps de vous donner en détail les avatars de cette... J'avais prévu de le faire, mais je pense que vous allez échapper aux maths. On peut y revenir après. Donc, à la fin du XXe siècle, par curiosité, je suis allée voir... qui faisait de la théorie des nombres, justement, à la fin du XIXe siècle, ayant cette histoire en tête. Et donc, je suis tombée, en dépouillant les revues, sur le schéma que vous voyez en haut. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais donc, en particulier à droite, vous voyez la répartition des articles écrits par des auteurs de différentes nationalités. Et en noir, ce sont les Français. Et en gris clair, ce sont les auteurs allemands. Et puis, bon, il y a des auteurs anglais avec des rayures, etc., etc. Et ça, pour moi, c'était vraiment un choc, parce que ça montrait des centaines d'auteurs, il y a des centaines d'articles impliqués, des centaines d'auteurs, et de toute nationalité, alors que normalement, je devais avoir une majorité d'Allemands et peut-être un ou deux Français égarés, selon l'histoire traditionnelle. Donc, face à ça, évidemment, on a commencé à se pencher un peu plus en détail sur qu'est-ce que c'était l'évolution du domaine pendant cette époque, y compris à partir du début du siècle. On s'est rendu compte qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup de travaux faits avec des développements dans plein de directions différentes, pas du tout dans une seule, avec des recoupements dans d'autres thématiques, non seulement des choses comme la géométrie, par exemple, qui étaient... pas vraiment attendu, mais aussi les probabilités, juste pour donner des exemples là-dessus, et surtout des priorités, disons, de nature épistémologique qui étaient très variées. Donc, pas seulement la pureté, par exemple, il y a vraiment des auteurs qui voient dans l'unité des maths un ressort beaucoup plus important que la pureté des méthodes, et donc ils sont très contents quand on peut mettre de l'analyse, de la géométrie, des probabilités, etc., avec la théorie des nombres, ce qui est évidemment complètement anathème pour un certain nombre d'autres groupes de mathématiciens qui, eux, veulent absolument purifier les méthodes, n'avoir des méthodes que purement arithmétiques, par exemple, ou purement à l'intérieur de la théorie des nombres, ou bien purement géométriques dans certains cas, etc. Donc, on a des tensions à l'intérieur d'une communauté beaucoup plus vaste sur les priorités, les types de preuves qui sont acceptables ou pas, les types de développement, le fait d'avoir ou non des applications. Il y a des applications de la théorie des nombres au tissage, par exemple, y compris industriel, dans le nord de la France, à la fin du XIXe siècle. Et puis, des structurations des recherches, et ça, c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup et nous avons beaucoup occupé, qui ne sont pas toujours disciplinaires. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours avec un bon manuel qui va fixer les bons concepts et la bonne façon de travailler des preuves, par exemple, d'une certaine manière, ou en essayant de trouver le concept le plus général à partir duquel on pourra déduire tous les résultats, comme ça a été décrit tout à l'heure. Donc, il y a en fait beaucoup d'autres structurations possibles. Ça peut être des structurations de lettres, des structurations
À un moment donné, on a repris à Bourdieu la notion de champ de recherche avec des échanges, etc., mais aucun accord sur ce qu'il fallait faire, mais énormément d'échanges où les gens reprennent avec leurs propres priorités les mêmes problèmes. Le même énoncé, par exemple, mais ils vont le développer dans 4, 5, 6 directions différentes et rééchanger là-dessus et éventuellement se disputer sur le fait qu'il y a des directions qui sont mieux ou pas. Donc ça donne quelque chose. Alors je ne suis pas très bonne en dessin, donc je n'ai pas réussi à vraiment bien illustrer ça, mais juste pour montrer l'impression de fouillis bien plus grande que la jolie ligne que je vous ai montrée tout à l'heure. Et de façon générale, donc, non seulement ces priorités épistémologiques sont multiples, les relations à la société en général sont extrêmement variées, même au XIXe siècle, mais aussi ce qui nous est apparu intéressant, et c'était aussi l'exemple de Galois tout à l'heure, c'est qu'envisager les uns, disons, c'est-à-dire les grands héros des maths, comme des autres, c'est-à-dire les réinsérer dans des collectifs multiples, des réseaux multiples, en fait, permettait de beaucoup mieux comprendre même leurs pratiques, y compris leurs pratiques individuelles. Donc, je pense qu'on gagne aussi à recomprendre plus collectivement, de façon plus générale, y compris les fameux grands auteurs dont il faut réévaluer. Alors, donc pour conclure, ce problème de la structuration des récits collectifs, pour moi, rejoint un problème qui est celui de la structuration des mémoires collectives des mathématiciens. Parce que si, je pense, beaucoup d'historiens et historiennes des mathématiques maintenant seraient d'accord avec le fait de regarder plus collectivement, plus socialement, disons, l'histoire des mathématiques. Changer la nature de ces récits et changer la mémoire des mathématiciens, par contre, s'est avéré beaucoup plus difficile. Et personnellement, on parlait de responsabilité tout à l'heure, j'ai pensé que c'était de ma responsabilité, en fait, de notre responsabilité de le faire, et c'est un échec patent que je vous communique. C'est-à-dire, on a vu encore la semaine dernière une dispute à propos d'une présentation pour un grand public de mathématiques où on avait encore les grands hommes arrivés, on a vu les grands hommes arriver avec des petites anecdotes, etc. C'est-à-dire la même chose que ce qu'on a décrit avant. Je ne sais pas, et je pense que c'est ouvert à la discussion, de quoi sont faites ces difficultés. C'est-à-dire, il y a le point que j'ai soulevé au début, c'est-à-dire la volonté d'avoir un long terme des mathématiques qui n'est pas facile à décrire, qui n'est pas facile à transmettre. Mais je pense qu'il y a aussi des effets d'identification forts au moment du travail individuel avec un certain nombre de ces personnages fameux. Donc, cette question de la difficulté de changer la mémoire vivent des mathématiciens par rapport à leur propre passé, leur propre organisation, leur propre structuration, je pense que ça pose problème et je ne sais pas résoudre ce problème. Je pense quand même que ce serait utile et important aussi pour, disons, la politique contemporaine des mathématiques de réussir à changer ces images. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Moi, je vais démarrer, lancer. J'en avais une pour Antoine, qui était très pudique dans ton exposé, donc tu ne nous as pas du tout dit pourquoi cette histoire te fascinait, je pense que Catherine vient de le dire. Et est-ce que ça t'apporte, pourquoi cet imaginaire particulier te nourrit et te porte, on te sentait vibrer, donc c'est pas rien. Non, je pense que ça rejoint des choses qu'Isabelle avait dites avant. J'ai pas envie de livrer trop de secrets à la question, mais il y a dans la fabrication d'un texte, le peaufinage, mais lent, c'est-à-dire, et à plusieurs, où on prend son temps de le faire. Je me rappelle de séances où il y a une nouvelle personne qui ne comprend pas le début, et ben c'est pas grave, on relit 150 pages. Et on prend son temps,
que tout le monde comprenne. Et ça, c'est pas du tout comme ça dans un séminaire de maths, machin. Ben non, ça, t'es censé savoir. Et basta. Donc, il y a une pratique interne des maths où on prend le temps de discuter. Quand quelqu'un n'est pas d'accord, tout s'arrête. Et ça, ça n'existe pas normal. On prend pas ce temps-là. Donc là, c'est un endroit où j'ai trouvé ce temps. Il se trouve que les blagues, je pense, ont dû jouer aujourd'hui, maintenant je les regarde avec un. Je les trouve beaucoup moins drôles, en fait. Elles me font toujours un peu rire, mais c'est juste parce que la psychanalyse avance, quoi, surtout. Après, je peux dire des choses sur la théorie des nombres, par exemple. Il n'a pas échappé à Catherine qu'il n'y a pas de théorie des nombres dans le requis. C'est-à-dire que cet effet de purification, je ne sais quoi, résiste à la théorie des nombres, malgré l'image du 19e. Parce que le 20e a fait exploser cette volonté de pureté. Ça s'est vu avec la preuve du théorème des nombres premiers, qui passe par la fonction de zeta de Riemann et l'extension de la fonction de Riemann aux nombres complexes. Alors que les nombres premiers, c'est des entiers. On se demande pourquoi il faut des nombres complexes et des zéros d'une fonction compliquée pour en dire. Et d'ailleurs, il y a eu toute une activité mathématique de restaurer la pureté en démontrant le théorème des nombres premiers sans passer par les complexes. Voilà. Mais il y a un autre endroit, et Laurent est là, où la volonté de pureté est là. C'est dans la théorie du corps de classe et du programme de Langlotz. Le corps de classe, il y a tout un débat sur le corps de classe lui-même, je ne veux pas dire ça, savoir si on met de l'analyse ou pas dans les premières formules. C'est la suite de ce que j'ai raconté. C'est la suite de ça. Non, mais donc, je juste l'évocation. Donc, c'est un truc de théorie algébrique des nombres, c'est toute l'évolution du 19e siècle, qui au 20e arrive, et puis là, il y a un peu d'analyse. Et puis, moi, je me rappelle de coup où il y avait une discussion, savoir si c'est vraiment très sain de mettre une preuve d'analyse à tel endroit. D'ailleurs, il y a l'autre bouleversement, c'est le John Tate, qui est de transparent avant, qui lui met carrément de l'analyse dit harmonique au milieu, et puis la formule des traces de Selberg, où on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'analyse, il n'y a que ça. Donc en fait, la théorie des nombres modernes, dans un certain sens, elle échoue, celle qui est apparue au XXe siècle, elle échoue à cette volonté de pureté. Et je trouve que tu étais un peu injuste pour Veil, avec la remarque sur la pureté méthodologique, je crois. Parce que Veil, dans la préface à son livre de théorie des nombres, justement, il défend l'idée qu'il faut utiliser toutes les méthodes pour la théorie des nombres. Hein, il y a une préface très forte qui fait allusion à la fin de la ségrégation pour ça. Donc, bon, c'est un bon texte. Et d'autre part, quelqu'un, d'ailleurs, dont on n'a pas parlé pour Bourbaki, et ça m'intrigue un peu, Lotman, dans son livre sur l'histoire des mathématiques, il cite la démonstration du parler la loi de cité quadratique, donc la démonstration de la valeur absolue des sommes de Veil par l'équation fonctionnelle des fonctions L, qui est due à ce ou et que, je me souviens plus. Et là aussi, ça consiste à sortir de la pureté algébrique et pour utiliser l'analyse. Et donc c'est contenu dans cette histoire. Vous êtes à un moment donné, vous êtes situé à un certain moment, et ce que je vise, moi, c'est un autre moment, c'est-à-dire vous êtes situé à un moment où on retrouve encore des questions d'analyse dedans, et après il y a une nouvelle discussion pour savoir si on les garde ou pas. Mais ces gens, au moment où vous les décrivez, se mettent à réfléchir sur l'histoire passée, ils la décrivent comme une histoire de purification, avec laquelle ils sont d'accord ou pas. Mais on est situé à un autre moment. Mon point, c'est vraiment, les mathématiciens produisent, en travaillant, des histoires qui ne sont pas forcément complètement accordées avec le travail qu'ils sont en train de faire. C'est plus compliqué que ça, mais ils produisent ces histoires. Et ce sont ces histoires qui sont projetées comme des vérités sur le passé, si tu veux. Et je pense que c'est un phénomène tout à fait particulier, si tu veux. Et ce phénomène a des effets. Alors, à l'intérieur de la communauté, la question de la purification, elle a quand même eu beaucoup d'effets avec l'affaire Grothendieck, etc., c'est-à-dire des hiérarchies très fortes sur qui avait le droit de faire des maths ou non, quand même. Donc ça a eu des effets à une certaine époque. Ça a changé maintenant parce que les choses changent, mais ça a eu des effets. Mais je suis d'accord, on n'est pas à un moment de purification. Mais il y a eu des moments comme ça. Il y a eu des moments où le discours dominant était un discours d'évacuer telle méthode ou pas. Parce que
la question de la démonstration par analyse, ça fait partie d'un autre groupe que la ligne que j'ai décrite, même si c'est simultané. C'était vu comme quelque chose de tout à fait opposé et quelque chose auquel on devait s'opposer. Mais même dans la Donc il y a des tensions. Pardon. Même dans la lignée que tu as citée, ça, je crois que ça doit être tempéré, parce qu'il y a aussi l'introduction massive de l'algèbre en théorie des nombres, méthode algébrique. D'ailleurs, ça nous permet de citer une notaire qui n'est pas là. Mais donc, si elle est là. Elle est là. Elle y est ? Ouais. Ah d'accord. Donc, je ne suis pas aussi. Okay. Et donc, ça a été une révolution. Et ça, Weil le sait bien. Et puisque sa liste va jusqu'à Hilbert, il sait bien que ça fait partie maintenant de la théorie des nombres. Bah, ouais, mais oui, bien sûr. Mais c'est une certaine image, comme j'ai dit. Et c'est pas du tout, la totalité du développement. Rien à voir, si tu veux. C'est un tri très fort et qui est extrêmement sélectionné, si tu veux. C'est ça mon point principal. C'est que l'image qu'on véhicule est une image qui est extraordinairement individualisée. Oui, mais ça, bon, ça n'est pas la même question. Le fait qu'on récite cette histoire comme une histoire d'individus exemplaires, c'est une chose. Le fait que les méthodes aient été épurées, ce terme, je ne crois pas à ce terme. Mais c'est pas moi qui. Enfin, je veux dire, je ne suis pas en train de dire, comment dire, de revendiquer pour moi ce terme. C'est un terme qui est utilisé par des acteurs de l'époque, d'accord, pour décrire ce qu'ils veulent faire, et d'autres disent non, nous ne sommes pas d'accord. Et quand je parle de certains acteurs, je parle par exemple de Kronecker. Je parle pas d'André Weil. Hein. Je suis avant. Il y a des discussions. Je suis aussi avec Chevalet. Pureté des preuves, par exemple, ça, c'est un terme qui se retrouve dans les textes historiques. Bien sûr. La notion de pureté des preuves se retrouve dans les textes du début du XXe siècle. Il y a des choses comme ça même dans Chevalet. En fait. Oui, je peux témoigner de la volonté absolue de Chevalet d'être un pur algébriste. Et d'ailleurs, de la fureur de Serre, disant que Chevalet est complètement sectaire. Je peux témoigner ça, j'ai vécu, moi. Oui, mais Chevalet a été critiqué plusieurs fois. Oui, c'est un même temps d'être. Oui, mais ça ne dit pas. Mais je pense dans un travail collectif comme le truc de Bourbaki, c'est ces problèmes de conflit entre ceux qui veulent la pureté, ceux qui ne la veulent pas, le fait de trouver le bon point de vue, parce que l'expression le bon point de vue existe, même s'il est irréalisable. Et sur la théorie des nombres, ça ne marche absolument pas. La théorie des nombres, une discipline qui est d'autant plus belle qu'on la regarde de tous les côtés à la fois, je trouve. C'est mon impression. Mais dans la... Et donc ça ne marche pas. Dans la théorie des nombres, il y a plusieurs indices que le bon point de vue n'existe pas. Bien sûr. Par exemple, la notion de place des vidéos premières. Non, mais on est d'accord, je pense qu'il n'y a pas de problème. On est d'accord maintenant. Oui. Ce n'est pas ce que Hilbert écrit. D'accord. Et par contre, regarde le bouquin de Samuel de théorie algébrique des nombres, on va faire des discussions de café. Je suis d'accord, mais ce n'est pas ce que Hilbert écrit. Je veux dire, il y a des gens qui ont mis. Pardon, excuse-moi, je te coupe. Il y a des mathématiciens qui, à certains moments, ont mis des positions différentes. Actuellement, le point de vue est. Bon. Mais il y a des endroits des maths où ça se passe exactement de la même façon. Le bon point de vue est recherché et avec des effets de conflits éventuels, etc. Ça existe encore ailleurs. Mais bon. Enfin bon, on devrait conclure, mais même pour Hilbert, je ne sais pas, que le Zahnbericht, c'est extrêmement catholique. Hein. Si c'est énorme, le résultat. Oui, mais regarde la préface, tu verras. C'est bien dont on parle, entre la réalité du travail et l'image qui est véhiculée vers l'extérieur. Et donc, en particulier dans les préfaces et ce genre de documentation. Je vais un follow-up à ma question pour te relancer une seconde fois. Peut-être pas une seconde, une deuxième pour l'instant. Donc, tu dis, voilà, c'est plaisant ce travail bourbakiste parce que c'est le travail qui s'approche de tes idéaux de travail. Et par ailleurs, on a entendu qu'il était puissant, le séminaire Bourbaki, au point d'être parfaitement adapté à la promotion de soi, à participer, est valorisable. Donc, bon, il n'est pas minoritaire, c'est pas un interstice du système,
Alors pourquoi est-ce qu'il ne fait pas école et que ça, la bienveillance, prendre le temps jusqu'à temps que tout le monde comprenne, n'est pas la norme répandue pour tous les mathématiciens. Au fond, vous subissez peu de pression. Donc pourquoi est-ce que ça, c'est pas... Je suis pas sûr d'avoir compris la question. J'ai l'impression que tu as compris la question. Du début à la fin au moment du séminaire. Ouais. Pas voir ça du tout. Non. C'est pendant qu'ils travaillent ensemble, ils se battent. Les Nicolas Bombatis, quand on dit qu'on travaille ensemble, là, ils écoutent tout, mais le séminaire, ça n'est pas du tout ça. C'est pas ça. Dire la douleur et on comprend ce qu'on peut. Voilà. Mais c'est quand même un groupe basé sur l'idée que les membres sont une élite, quand même. Oui. Donc, ça n'est pas du tout quelque chose qui... Disons. Donc, je crois qu'il faut quand même souligner ça. C'est-à-dire, c'est pas, ça n'a pas vocation à faire modèle dans ce sens. Ceci dit, il y a Polymath, il y a d'autres travaux, enfin, d'autres organisations de travaux, travail collectif en maths. Ça. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est que Polymath. Mais... Non, mais... Polymath, c'est quelque chose qui est né il y a une dizaine d'années des mains du cerveau de Timothy Gowers, qui un jour a proposé sur son blog, en disant bah, « Maintenant, il y a assez de moyens de télécommunication, d'Internet, etc., pour qu'on puisse travailler collectivement comme ça. » C'est-à-dire qu'il y a un blog, il est ouvert, on décide une question par un moyen pas très clair au début, mais et une fois que le sujet de recherche est choisi, et ben, les gens écrivent ce qu'ils veulent, et surtout ce qu'ils veulent, et le plus vite possible, sans se censurer. L'idée, c'est que si quelqu'un propose une idée qui ne marche pas, avec un peu de chance, quelqu'un d'autre lira et aura une idée comment la faire marcher, etc. Donc ils ont proposé ça, et puis ça a marché au sein d'un petit groupe extrêmement sélect de mathématiciens, c'est-à-dire qu'il doit y avoir au moins 4 Mendel Fields dans le petit groupe qui a démarré, mais... donc c'est quand même des gens très très bien, enfin, déjà reconnus pour leurs compétences, mais ils sont arrivés très très vite à faire des jolis résultats, jamais, pour ce que j'en comprends, ayant amené conceptuellement des choses nouvelles, mais par contre très adaptées à se rendre compte que les outils sont déjà là sur le marché pour faire marcher, pour faire fonctionner observer les résultats, et on se met ensemble et on le fait. Donc c'est un travail collectif et très anarchique, parce que c'est vraiment... on prend la parole en tapant dans un blog ses commentaires, et il y a un système, les systèmes informatiques de distribution de fichiers permettent que le fichier tech et l'article s'écrit plus ou moins en même temps relativement correctement. Et après, il y a la soumission, et là, c'est assez drôle, parce que sur les 3 ou 4 travaux publiés par le groupe, par le groupe qui n'est pas un groupe constitué, puisqu'on arrive, on part, on commence, etc., il y en a 2, je crois, où le nom de Polymath est en tête, comme auteur, et il y en a 1 ou 2 où le nom de Polymath n'est pas comme auteur, il y a une note de bas de page qui dit que c'est issu de Polymath que l'éditeur a refusé que ça soit publié sous le nom de Polymath. Mais par contre, si on va sur Archive, là, c'est présenté sous le nom de Polymath. Donc les gens qui défendent Camino se reconnaîtront un débat. C'est précédent. ou disons, c'est concomitant, parce que c'est en ce moment. Tu pourrais citer le Stax Project aussi, que tu connais beaucoup mieux que moi, certainement. Le Stax Project, c'est un autre truc monumental qui présente la géométrie algébrique plus ou moins du début. Et qui a d'abord été rédigé par une personne, un mathématicien américain, Johan de Jong, mais qui le met à disposition en permanence, c'est-à-dire qu'on va on peut le récupérer en ligne, on peut imprimer le fichier PDF, sauf qu'aujourd'hui il fait 7000 pages, donc c'est un peu lourd, mais il est très facile à utiliser, et n'importe qui peut, sinon écrire directement, en tout cas proposer des mises à jour, si vous aviez un chapitre déjà prêt qui va dans le projet, vous lui envoyez et il l'incorporez très très vite. Donc là, il y a un nom propre qui domine, mais il y a une liste de collaborateurs très très longue de gens qui ont participé au projet. Ça, c'est assez impressionnant comme trajet, comme projet. Et en une dizaine d'années, ça a supplanté essentiellement comme outil de référence les éléments de géométrie algébrique de Grothendieck, qui était le mode du banc précédent. Alors ça a supplanté au sens où les jeunes thésards, quand ils font ce sujet-là, maintenant leur référence, c'est ça. C'est là qu'ils vont apprendre. Question. J'ai une question. En fait,
nombreuses, on est de moins en moins nombreuses, parce que depuis qu'il n'y a plus de normal sud, il y a moins d'adversité qui sont mobilisées, on ne veut rien, c'est comme ça. Donc moi, ma question, c'est, j'ai l'impression qu'on a fait plein de choses, qu'on a fait la fête de la science, qu'on a fait des choses pour que, donner envie de faire des maths aux gens, y compris et surtout pour les femmes qui sont investies auprès des jeunes filles, et ça n'a pas marché. Et donc, là, le constat, il est assez déprimant. Ben, je crois que c'est compliqué parce que si on parle strictement du problème femme, à l'intérieur de celles qui ont passé la première barre, la situation s'est améliorée, je dirais, en 20 ans. Bon, j'ai eu une discussion houleuse sur ça récemment parce que quelqu'un me disait, regarde les conférencière à l'International Congress of Mathematicians, c'est épouvantable, il n'y en a pas du tout, il y en a moins de 10% ou 15%. Et on a ressorti les chiffres de 1990. Bon. Ça va être 1%, quelque chose comme ça. Donc, bon. Ceci dit, dans les arrivées, enfin, l'évolution générale n'est effectivement pas très favorable. En France, ça dépend où. La France a stagné. Enfin, si on regarde les chiffres, la France était très bien placée dans les années 90 en général. Donc il y avait à peu près 18%, 20% de femmes. C'est ça bien placé. Hein, je dis pour les gens qui ne sont pas dans les maths. Et l'Allemagne, c'était 2 à 3%. Alors maintenant, ils sont à 25%. Et on est toujours à 20%, à 18%, etc. Donc il y a eu des actions brutale, je dirais, dans d'autres pays qui ont changé la donne. Donc, en France, c'est compliqué. Mais... Je pense quand même que ça a donné des pistes aussi. Ce que tu dis, c'est que le mode de narration qu'on a des maths n'est pas conforme, d'abord, n'est pas conforme à une réalité historique, ou en tout cas, l'aplatit sévèrement, et peut-être qu'une narration plus respectueuse de la complexité des trajets, des échanges, ferait venir plus naturellement des gens que l'attirance de quelques vieillards barbus du début du XXe siècle. Oui, mais je pense que, moi, ce qui m'intrigue, si tu veux, c'est que j'ai l'impression que, disons, beaucoup de mathématiciens actuels, voire de mathématiciennes aussi, aiment l'idée des vieillards barbus, quoi, quelque part, pour le dire brutalement. C'est-à-dire, sont assez attachés à cette image, alors bon, ça peut être Sophie Germain, mais je veux dire, il y a quand même cette... Toi-même, bon, évidemment, ton modèle est plus Bourbaki, disons, que peut-être, je ne sais pas, Gauss, mais il y a quand même cette relation forte à des personnages assez mythifiés, ou gallois, par exemple. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à essayer vraiment des trucs bêtes, à refaire le texte sur Galois dans Wikipédia. Bon. Eh bien, on l'a refait intégralement, mais je peux vous dire que 10 ans après, il a été refait, et tchoum, on est reparti vers la mythification, etc. On peut le voir dans l'historique, c'est assez intéressant. C'est extrêmement difficile de faire bouger les choses dans les articles de Wikipédia, sur l'histoire des maths. Je peux écrire des articles de maths dans Wikipédia, assez facilement. L'histoire des maths, c'est un vrai cauchemar. C'est non stable. Et bien pire que je pense dans l'histoire des sciences. On a immédiatement des gens qui vont restituer les génies, les bons points, les machins. Pas forcément des mathématiciens, mais c'est tout un public d'enseignants, etc., qui vont reconstituer ces histoires souvent anecdotiques. Alors, on ressort les anecdotes plus ou moins après, etc. Donc, on a vraiment ce sentiment qu'il y a une interface d'imaginaire, disons, sur les maths, partagé en partie par les mathématiciens, je pense, au moins, parce que c'est ça qui les a finalement attirés à un moment donné vers les mathématiques, en tout cas, les a pas découragés, qui est actif, opérationnel. Juste un complément aussi. Cet été, j'organisais une école d'été de théorie des nombres et on a pris 3 heures pour discuter avec les étudiants de comment on travaille, etc. Donc, j'avais demandé à 3 intervenants de parler. Il y a Michael Barani qui nous a montré comment la personne du mathématicien était passée
avait évolué en deux siècles, c'est-à-dire comment, à la fin du XVIIe, les maths étaient diffusées essentiellement dans un journal qui s'appelait Lady's Diary, et puis que la Révolution française, la création des écoles d'ingénieurs, la nécessité de développer la France, plus au début du XXe siècle, l'appel à projetisation, si j'ose dire, du début des maths, la Fondation Rockefeller ou Rothschild, qui a financé beaucoup de mathématiciens, sur quelle base, sur quel modèle, le modèle de l'homme d'État ou du futur homme d'État, et qu'ils avaient en tête, et donc c'est devenu des hommes. Il y avait explicitement mention dans un des textes de référence de si on finançait une femme, que son dossier soit deux fois meilleur, parce que statistiquement, deux fois plus souvent, elles arrêtaient. Donc ça c'est écrit. Et donc il y a eu création, selon lui, il y a eu création en fait d'une identité masculine qui ne saura plus être autrement, etc. Mais on a eu aussi, donc je reviens sur la narration, Francis Hsu, qui est l'ancien président de la Société mathématique américaine, pas la MS, MRA, qui a écrit un livre que je trouve superbe qui s'appelle Mathematics for Human Flourishing. Donc, et il nous a juste interpellé, il nous a dit, ok, vous faites des maths, pourquoi? Et quelles sont les valeurs, quelles sont les choses positives que vous associez aux maths? Alors là, il y a un certain nombre de mots qui arrivent, effort, créativité, plaisir, joie, etc., découverte. Puis après, il nous a dit, ok, maintenant, dans vos cours, ça se reflète comment? Hop, c'était tout. Et je pense qu'il peut le faire à chaque fois. Il fait volontiers cet exposé dans n'importe tous les publics du mathématicien. Il peut poser la même question, ça se passe par, je pense, à chaque fois pareil. Donc, pourquoi est-ce que notre langage ne reflète pas nos valeurs? Pourquoi notre comportement ne reflète éventuellement pas nos valeurs? Oui, ça m'intéresse cette histoire de glorifier les personnes. Parce que moi, maintenant, je suis journaliste en science, je m'incruste un peu parmi vous, mais c'est des questions qui sont intéressantes parce qu'elles touchent à la vulgarisation des sciences, à la médiation scientifique. Et en fait, quand on est journaliste, il y a aussi ce mythe que pour intéresser les gens, il faut personnifier. Il faut mettre des têtes, des noms, des individus. Et que si on ne sait pas qui il y a derrière, en fait, c'est flou, les gens s'y intéressent moins. Et donc, je ne sais pas où est, enfin, quelle est la poule et quelle est l'œuf, mais le fait que ça se reproduise parmi les mathématiciens, peut-être que c'est parce qu'ils ont grandi avec cet imaginaire des vieux barbus. Mais je pense que. Plutôt des jeunes, en fait, barbus. C'est plutôt des jeunes, en fait. C'est plutôt les jeunes barbus qui. Je veux dire, typiquement, les mythes des maths, excusez-moi, je vous ai coupé, mais Galois, il y a l'éternelle jeunesse aussi. Ah, ok. Et c'est vrai que pour, par exemple, les chercheurs dans la communauté des mathématiques, pour avoir plus de femmes, pour avoir peut-être plus de diversité sociale aussi, je pense qu'avoir un récit différent des maths, et pas juste montrer les mêmes personnes, mais je pense aussi que c'est pas réservé aux maths cette situation, mais que en physique on a aussi, et je pense en plein de disciplines, les barbus dans toutes les sciences. Il suffit d'aller voir l'exposition qu'il y a dehors là, d'ailleurs. Elle est tout à fait significative. On a eu la même en maths, et c'est tout à fait significatif de ce que vous dites. Mais je pense aussi que là, on a aussi le problème que la diversité éventuelle, qui peut nous amener à toucher un public différent maintenant, implique de parler du contemporain, implique de montrer des gens actuels pour avoir plus de diversité. Parce que si vous remontez au 19e siècle, vous n'allez pas avoir cette diversité, c'est un fait. Et le fait que, justement, il y a cette volonté de montrer du long terme bloque énormément, je pense, la possibilité de montrer des maths associées à des gens, même si on personnifie, à des gens variés. Donc là, on a les deux. Je pense que ça... J'avais justement posé la question de la spécificité ou pas de cette histoire disciplinaire, personnifiante, etc. Et en sciences humaines, beaucoup aussi. Nous aussi, on a notre barbure, Max Weber, Durkheim, tout ça. Donc on en soupe aussi. Et finalement, ce que je trouve intéressant, c'est que l'histoire des sciences, dans ce qu'elle a pu démontrer, de la,
en termes de déconstruction de ces paradigmes, de ces canons qui seraient personnifiés, bon, c'est évidemment plus compliqué dans les faits, c'est collectif, c'est des communautés qui se structurent dans le temps, etc. C'est il y a 40 ans en fait que l'histoire des sciences a produit ce genre de récit. Et ce qui est vraiment frappant, c'est de voir à quel point ça n'a pas d'effet sur la façon dont les communautés se représentent leur activité. Et à tel point d'ailleurs que même l'histoire des sciences produit ses propres figures, mythifiées, Georges Sarton, etc. Donc il y a une espèce d'emprise comme ça d'un modèle, d'un régime de la discipline qui fait avec son canon, etc. qui me paraît, mais enfin, là c'est peine perdue, hein, d'essayer de revenir sur ces mythes presque fondateurs, hein, ces récits des origines, ces généalogies mythiques avec ces grands, etc. Enfin, je pense que là, c'est peine perdue. Je pense que l'idée, c'est de faire des pas de côté, de produire d'autres récits. Forcément de déconstruction, de critique en permanence du même modèle, parce que vraiment, ça fait plus de 40 ans, 50 ans qu'on se le coltine dans l'histoire des sciences, et vraiment il est trop fort. Alors, c'est une réflexion purement gratuite. Hein, parce que moi aussi, je me suis intéressé à la déconstruction des grandes figures en histoire de l'astronomie notamment, et il y avait pareil, il y avait les grands, il y avait Poincaré déjà, qui était dans les parages. Et là, oui, il y a une emprise, quoi. Avec uniquement des deux barbus, vous avez énuméré un certain nombre de gens, Dedekind, Kummer, Minkowski, mais en théorie des nombres. Mais finalement, la seule œuvre, disons, de grand public qui est eue sur un mathématicien de théorie des nombres, c'était le film sur Hypatie, le film Agora avec Rachelet. C'est la seule personnalité qui a été mise en avant pour le grand public. Bon, c'est pas très réconfortant non plus, franchement, comme vision réaliste de l'activité des maths, ça va pas nous aider des masses. Mais ça dépend qui. Moi, je vois, enfin, tout l'été, pendant tout le confinement, j'avais droit à Fermat, par exemple. Donc, bon, peut-être très grand public, je veux bien qu'Hypatie soit mentionné, mais disons plus près de. Près, il y en a d'autres et ils se ressemblent tous, quoi. Enfin, au moins dans la vision qui en est faite. Je suis frappé mythe pour mythe. Enfin, en physique, on enseigne aussi avec des aérations des cours qui se font avec des grandes figures. Alors, des fois, on peut le faire sous des formes critiques pour pointer qu'il n'y a que les théoriciens qui ont le Nobel, les expérimentateurs, on ignore leur nom, alors que ceux qui ont fait le travail en amont, bon, on peut faire les narrations un peu. Ou des personnages conceptuels comme le démon de Maxwell, ou le bonhomme d'Ampère, ou, enfin, des choses qui décalent un petit peu, mais on fait ça aussi. Par contre, nos grands figures mythiques des années 30, ils étaient en train de monter le comité de vigilance antifasciste, ils étaient en train de... ils étaient mouillés dans le Front populaire. Donc, nos figures mythiques n'étaient pas dans un séminaire à 6 personnes cachées sous une forme de résistance anonyme comme ça. Et c'est très très frappant en t'écoutant ce décalage pour nous, pour les physiciens, les années 30, c'est quand même le dernier grand moment de la physique avant la honte de la bombe atomique. Et donc, ça se place très différemment, la mythification. Le problème, c'est que Bourbaki a été aussi contextualisé. Et que là, on voit très bien à quoi ils réagissent. Et ils réagissent en particulier au fait qu'il y avait plein de mathématiciens très, très politisés autour d'eux, enfin, politisés, engagés dans la vie politique autour d'eux, qui représentaient la génération d'avant et qui étaient la Première Guerre mondiale. Et les mathématiciens français en particulier étaient très engagés dans la Première Guerre mondiale, au plus haut sommet de l'État. Pinlevé a été ministre de la guerre. Enfin, on a eu des mathématiciens très, très engagés qui ont absolument coordonné l'effort de guerre et qui ont continué à faire de la politique et la politique administrative, la politique politicienne pendant l'entre-deux-guerres. Et Bourbaki, c'est aussi une réaction à ça. C'est-à-dire qu'on a des figures, par exemple Albert Châtelet, qui était très impliqué dans la politique, qui était doyen, qui a reconstruit l'université de Lille, qui a fait des choses de ce genre. Et qui était une des bêtes noires, en fait, des Bourbaki, des premiers Bourbaki. Donc, Julia idem, enfin, il y a des tas de tensions là. Il y a une réaction, disons, la dépolitisation de Bourbaki
c'est une réaction politique, en fait, à une situation politique, on peut dire. Donc, c'est... Qui était le pacifisme, je n'irai pas jusque-là. Mais Veil est totalement explicite sur le fait qu'il a un dharma, et que son dharma, c'est de faire des maths, et de surtout pas s'occuper de politique. Et à côté de ça, ils ont des gens qui expliquent qu'il faut s'engager politiquement, etc. Donc, oui, mais à côté de ça, il y a Cartan, dont le frère est résistant, et dont le frère meurt pendant la guerre. Oui, bien sûr. Il y a Cartan, c'est d'ailleurs qui Attends, parce que là, vous êtes parlé à deux. Parlez à deux, donc je sais pas. Excusez-moi. Tu n'as pas donné une autre phrase de Veil, tu as dit ça n'est pas ma guerre. Oui. Ce qui est très gênant dans son autobiographie, c'est qu'il explique les gens de sa génération avaient vécu aussi, il n'y a pas seulement ce que tu dis, Catherine, il y a aussi les excellents scientifiques qui étaient morts au front. Et Veil dit que les gens de sa valeur ne devraient pas être envoyés au front. Oui, tout à fait. L'une des raisons pour lesquelles j'étais discret sur ce truc-là, mis à part que j'avais oublié, c'est qu'il y a eu dans le discours de certains membres de Bourbaki l'idée que la France mathématique avait été laminée pendant la Première Guerre mondiale. Et il y a des travaux de David Aubin assez récents qui dit que ça fait partie du mythe. Et donc, comme je n'ai pas lu le bouquin de David Aubin, eh ben, j'en rajoute pas. On a fait le travail. Voilà, c'est ça. Donc, normalement, cette idée que la classe mathématique active aurait été décimée n'est pas si vraie que ça. C'est-à-dire que les Allemands, eux, auraient protégé. Oui, mais ce n'est pas vrai non plus. Le problème, personne n'a vraiment été protégé. Il se trouve que les Normaliens ont été particulièrement frappés. Et ça, c'est le truc. C'est le point singulier de l'école normale, où ils sont deux fois plus frappés, par exemple, que les polytechniciens. C'est un tout petit nombre. En fait, c'est pas du tout. Enfin, mais c'est un tout petit nombre. Mais un des problèmes, c'est qu'ils ne sont pas dans l'artillerie. Ils sont dans l'infanterie. Et l'infanterie, on l'envoie au front. Tchlac. Le papier de Nicolas Mario. Oui, bien sûr. Et c'est vrai aussi des scientifiques. La concurrence avec Polytechnique, qui fait que le seul moyen qui est à lancement, c'est qu'ils sont envoyés au front et qu'ils n'ont pas le type de compétences des polytechniciens. Mais ceci dit, il y a des survivants en maths, et ces survivants sont très impliqués dans la vie politique institutionnelle après-guerre. Et donc vraiment. Et avec une image aussi, alors bon, ça c'est plus le problème, la reconstitution de la science française, qui est aussi un des points de contestation de Bourbaki. Oui, parce que. Bourbaki, Chevalet, etc. Et Chevalet était en Allemagne en 22, en train de discuter avec Artine, etc. Donc, dès l'après-guerre. Tu vois, c'est un truc, bon, ça aussi, c'est tout à fait frappant. Les Bourbaki, ce sont les gens que la Fondation Rockefeller, poussée par les mathématiciens français qui veulent reconstruire la France mathématique après la guerre, etc., va expédier en Allemagne selon la politique de la Fondation Rockefeller. Donc, après, on les retrouve tous en train de dire. Nous n'avons rien à faire avec cette génération d'avant, nous sommes formés à d'autres maths, etc. Mais on voit bien quelle est la continuité avec la génération d'avant qui les a expédiés là. Julien, malheureusement, il va en Allemagne en 37 seulement, en disant j'aurais bien aimé, enfin, mais j'avais d'autres choses à faire. Piso aussi. Oui, je sais pas, ils ne sont pas fréquentables. Bon, parce que... sur la guerre de 14, les mathématiciens, quand même, il y a un des grands hommes des mathématiques moderne dans la théorie a finalement toujours aujourd'hui une importance et qui va lui être au sommet de la lutte contre la guerre de 14, qui va finir en prison à cause de ça, c'est Russell, hein. Quand même le mentionner, c'est pas que c'était pour la guerre de 14. On a fait vraiment beaucoup le boulot, donc il y a des objecteurs de conscience en Angleterre, il n'y en a pas en France, en maths. Il y a vraiment une différence très très forte selon les pays. Donc effectivement, en Angleterre, il y a des objecteurs vraiment, des gens qui s'engagent vraiment contre la guerre. En France, même les pacifistes radicaux finissent par dire « nous participons à l'effort de guerre ». Sur Bourbaki, sur l'histoire de Bourbaki, je voulais être heureux de manger une chouette. Comment entendre dans le livre, comment ils ont fait, par exemple, avec des gens qui avaient une attitude, mais aussi en mathématiques,
médecin, je peux faire de la logique. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des gens au sein même du groupe de Bourbaki qui raisonnaient de façon différente. Je pense en particulier à R.S. Mann et à ses travaux sur les catégories. Comment ils ont fait pour que ça n'apparaisse pas dans leur œuvre? R.S. Mann est parti assez, enfin, de fait, est parti assez vite. Mais il est parti parce qu'il a été chassé ou parce qu'il y avait un désaccord de fond? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas clair. Mais, c'est quand même un truc que les gens faisaient. J'ai l'impression, ça a été ça. Enfin, je l'ai plus vu pour des mathématiciens plus récents, mais c'est quelque chose qui est fait en parallèle de l'activité officielle de faire des cours, etc. Si à un moment on n'a pas envie, je crois que les gens arrêtent. Pareil, De Posselle a arrêté pour des raisons différentes, parce que Veil a épousé la femme de Posselle, donc De Posselle n'avait plus tout à fait trouvé sa place, et donc il est reparti en Algérie, enfin, De Posselle. Del Sartre, on n'a pas beaucoup de traces non plus à un moment, mais Del Sartre, lui, a eu une carrière, enfin, il est devenu doyen de la faculté de Nancy. Je pense qu'ils ont tous eu à un moment donné, donc dans les années 35, ils avaient 30 ans à peu près, et un certain enthousiasme, et puis 10, 20 ans après, bah, voilà, c'est passé à autre chose. Et de fait, l'aspect monolithique du projet interdit un peu, puis et la grande gueule de certains des membres, interdit un peu de vouloir faire quelque chose qui sort des clous que Veil et Dieudonné traçaient à la charrue à double socle. Mais bon. On a besoin d'une petite pause, le temps de s'installer, de faire des coupes en fichier. On sera là 10 minutes. Je ne sais pas si ça va marcher, on va voir. Et est-ce que vous avez une fiche HDMI? Une fiche HDMI tout à l'heure? Moi je peux connecter une fiche HDMI. C'en est une, ça tient. Ça, c'en est une. Ça, c'en est une. Ça, c'est une fiche HDMI. Oui. Donc j'ai de quoi connecter au Mac. Ah bah ça. Mais ce qu'il faudrait, c'est que je le prenne. Si on veut le streamer. C'est à Nancy, ça. Oui, si. Oui. Bon, ben voilà. Donc, je ferme. Voilà. Yes, bon courage. Bon, j'ai pas, il faut que je...
trouve un moyen de partager l'écran. Partager l'écran. Que je vois ce que je fais. Ah oui, ça va. C'est intéressant parce qu'elle décrit comment il hésite, comment il fait des trucs expérimentaux. J'ai trois trucs. Alors le film, je ne sais pas si ça va marcher. J'ai branché le son, ça doit passer normalement. Aucune idée. Ah d'accord. Alors, donc c'est Kronecker. Non, c'est qui? Je pense. Si je n'ai pas d'action sur le. Ah, déjà qu'il fait quelque chose. Attends, on a les carnets de Galois. Il y a quand même beaucoup de choses dedans. C'est 200 pages de volume. Comment? Les œuvres complètes. Ouais. C'est 200, 300 pages. Ouais, il y a pas mal de choses. Par exemple, il y a la représentation de PGMFP sur les pages. C'est bon, ça marche. Il n'y a pas de problème. Par contre, je ne peux pas la réaliser. Comment? Je ne peux pas le streamer. Je vais essayer de voir si on voit quelque chose. Oui, c'est pas qu'on n'aime pas avoir différence. Moi, j'ai fait juste le truc. Bien sûr, ça s'est repris par rudimentaire. On va faire la discussion. Je peux essayer d'avoir accès. Est-ce qu'il y avait chez ton carré le réglage? Non, mais ça ne sert à rien. On est ouvert pour carré. Mais sur la chaîne de politique des sièges. Dans ton carré, dans l'article 2018, je l'ai. On a reçu une copie pour la. L'explique pour envoyer à partir de là. Si on prend le plus petit nombre de points à partir de là, on va partir tenir tous les points. Mais est-ce que je peux envoyer ça? C'est pas. Il n'y a pas grand chose. C'est juste le film. Mais il n'y a aucun moment l'idée que. Je vais le mettre là, donc c'est un MP4. C'est dit comme ça. C'est évident. Il faudrait le mettre. Ça fait partie des questions que Norbert et toi vous avez posées il y a quelques années. Je ne sais pas ce qu'il pensait au phénomène de François. Le phénomène de groupe infini peut se faire. On fait les choses, on ne se fait pas savoir si c'est fini ou pas. Non, mais le grand fini, on voit qu'il y aurait certainement. Je ne sais pas si c'est vrai. Je le voyais, ça. Quand Riemann se pose la question du zéro de fonction, il dit bon, il faudrait étudier ça une autre fois, parce que voilà, mais là, dans Poincaré, c'est marrant, ça passe, ça glisse. Oui, mais c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment les réductions, les formes dynamiques. C'est ça qui est important. Oui, parce qu'il y a tout un boulot pour traiter aujourd'hui dans un truc de jeu de paramétrique contemporain. Tu dis genre zéro, c'est fini, quoi. Il y a un point, il n'y en a pas. Et là, il y a 100 pages pour expliquer le genre zéro. Toute la géométrie birationnelle, là, c'est le fait, c'est en tout cas la géométrie birationnelle. C'est vraiment une classification, il explique au début, si tu veux, c'est vraiment bien dans la perspective hermitienne. Le but de l'opération, c'est de classer, de trouver des bonnes classifications des objets. Alors, donc, il classe. Et alors, dans l'article de Mordel juste après, c'est la même chose, c'est-à-dire que Mordel propose 5 conjectures. Elles sont toutes cas particuliers de la quatrième âge. On s'en fait une raison entière, mais c'est une forme de c'est très marrant. Il n'y a pas l'idée que. Ah si, il dit bien qu'il suppose que des choses sont plutôt liées à l'histoire de l'histoire. On a essayé, c'est comme ça. Alors. Avec les notes, ça peut se transformer en PDF ou pas en fait, en PDF. On ne peut pas avoir de quoi d'autre qui lisait par PC. En Microsoft Office, c'est l'équivalent de. Attends, de PowerPoint, oui, c'est ça.
Voilà, donc je peux le transformer en PowerPoint. Ah, voilà. Je peux le transformer en PowerPoint, mais il y a trois images. Hein, c'est le film, mais c'est pas grave, parce que projeté, c'est pas visible. La techno est prête. Pas tout à fait. Voilà, il y est en tout cas, hein, sur le film avec un Y, avec un malencontreux Y. Ouais, c'est ça. On sait que. Il y est. Et le film aussi, c'est bon ? Le film est là, j'ai mis le film. D'accord, ok. Et pas le. Pas le. Non, mais bon. Bah, mais sinon, il y a trois photos. Hein. Ah oui, non, mais c'est pas ça. Enfin, comme ça, il y a ça. On peut le faire à un point. Tu as eu le premier cœur, c'est lui qui a eu le mathématiques. Oui, oui. Allez, la morceuse de tête, c'est un carré de l'acteur à. J'ai envoyé ça à Thierry. Le deuxième truc, tu as vu, alors c'est moins grave, en fait, c'est, tu sais que ça n'y est plus. Parce que celle qui était au départ, Mais là, c'est justement, il y a le premier truc que j'aime, je passe à pro, mais pour lui aussi. D'accord, c'est ok. Alors, vous voyez, je ne vois plus lui. Bon ? Non, parce que je ne le vois pas là. Attends, je vais mettre sous le transformant, peut-être X. Juste qu'il se veuille bien se rentrer, c'est bon. Il y a la même chose. Alors, pourquoi tu ne veux pas se monter ce con? J'ai réécrit l'histoire.
Bah, oui, après c'est des idées littéraires. En fait, à cause d'un peu le travail de nos amis familiales, en fait, ils ne sont pas participés à l'évangélisation. Il n'y a même pas eu de com. Ah non, ils ont déjà un pour leur donner un peu. Ils ne voient pas. Et même le signataire, le poitrine, si tu creuses vraiment. Excusez-moi, j'ai pas assez d'espace disque. C'est quoi, c'est pour le film ou c'est pour le. Pour le total. Il n'y a pas assez d'espace disque là-dessus ouais. Ah, ok. C'est un fichier qui est très 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 long. Non, mais c'est qu'il fait plein son truc. Hein. Ah, d'accord. Je peux essayer de tu vois, il est plein là. Je peux essayer de détruire le film et de mettre le fichier à la place. Non, on va supprimer n'importe quoi. Non, mais le film. Sur la fiche USB, mais je peux enlever le film et mettre le. C'est parce qu'il veut le PowerPoint. C'est quel film que tu veux montrer ? C'est un tout petit film, mais il y est le film. Mais le film suffit à la limite, et puis en fait. Attends. Ça, c'est sa clé USB. C'est que USB est pleine. C'est la mienne. Voilà, c'est d'accord. Alors, elle veut que j'y mette, le PowerPoint. J'ai déjà mis le film. Je peux supprimer le film et voir si le PowerPoint. Sans doute. C'est tout. Le film, c'est celui-là, c'est ça ? Non, il n'y est pas. Il ne rentre pas. Mais tu me disais que tu as mis le film. Ah, pardon. Excuse-moi. Le film, c'est celui-là. D'accord, mais attends, je pense qu'on peut virer ça. Qui a un fichier audio wave, voilà. Supprime, c'est où supprime sur Mac, ouais. Là ou là.
Henri Cartan, a été l'un des responsables du comité des mathématiciens qui... Traduit en bourg, qui que j'ai eu comme élève à l'école normale. Entre nous. Oui, un peu. Voilà, j'ai eu des positions de pouvoir dans la société mathématique. J'ai dirigé le département de maths de l'école normale, de maths et d'informatique de l'école normale, puis cet institut, là, pendant un certain nombre d'années. J'ai aussi beaucoup été impliqué dans les affaires de solidarité. Je voudrais terminer sur les solidarités entre scientifiques qui non pas infirmeront, parce que malheureusement, ce n'est pas possible d'infirmer ce qu'a dit Catherine sur, en particulier, là, ce sera la guerre de 14-18, ça oui. En parlant de quelques manifestations de solidarité entre scientifiques et quelques manifestations concrètes du fait que les mathématiques et la physique, et les mathématiques en ce qui nous concerne, donc, sont pour nous un langage absolument universel, qui sont depuis un siècle et demi avant, c'est beaucoup à dire. On pourrait, puisqu'on a parlé de Sophie Germain, on pourrait rappeler que Sophie Germain a veillé à la sécurité de Gauss. On pourrait veiller. Sophie Germain correspondait avec Gauss en se faisant passer pour un homme, parce que ce n'était pas correct d'être une femme et de faire des mathématiques. Mais elle a dû rompre son anonymat lorsque les troupes napoléoniennes ont envahi, je ne sais pas où était Gauss, en Prusse, il était en Prusse sans doute, ont envahi la Prusse, et elle s'est beaucoup fait de soucis pour Gauss, et elle a contacté un officier napoléonien en lui demandant d'aller trouver Gauss et de le prendre sous sa protection. Voilà, c'était une première. Un premier exemple de solidarité qui a existé. Il y a eu d'autres exemples quand par exemple, en 1915, ça c'était fort, Hilbert a rendu hommage à Darboux à l'Académie des sciences de Berlin. Ça a été mal vu en Allemagne. On ne pouvait pas faire ça en France. Hein. Quand Einstein a été invité en 1920, on ne voulait pas du Bosch Einstein à Paris. Oui, c'est le Bosch Einstein. C'est pour ça que je parle de la grande boucherie qui était invraisemblable. Et ça, ce sont les collègues d'Einstein qui ont imposé sa présence à Paris. Voilà. Il y a eu d'autres épisodes qui sont moins connus. Par exemple, juste après la Deuxième Guerre mondiale, il y a le Congrès international des mathématiciens s'est tenu en 1950 à Cambridge, dans le Massachusetts. À l'automne précédent, à l'automne 49, Laurent Schwartz, qui devait avoir la médaille Fields au congrès de 1950, s'est vu refuser son visa par l'administration américaine parce qu'il était connu comme ancien trotskiste, donc communiste. Le fait que les communistes assassinaient les trotskistes en entier ne comptait pas trop pour l'administration américaine. Donc Schwartz n'avait pas eu son visa. Et les mathématiciens américains, quand même, ont pas cédé, en tout cas les organisateurs du congrès, ont pas cédé. D'abord, Schwartz devait avoir la médaille Fields, donc il fallait bien l'inviter à ce congrès. Et puis, ils ont insisté un peu plus, ils ont nommé comme président du congrès, président d'honneur, Jacques Adamard, dont les liens avec le Parti communiste étaient relativement étroits pour le coup, c'était plus trotskiste. Et donc, ça a été une grosse bagarre parce qu'on a refusé les visas de Schwartz et d'Adamard. Et Cartan a organisé la délégation française. Ils étaient 28 et 16 membres de cette délégation française au Congrès international de 1950, donc, ont remis en gage leur passeport à Cartan et Cartan ne les débloquerait que si les deux invités potentiellement dangereux pour l'administration américaine avaient leur visa. Schwartz a eu son visa assez vite parce qu'il était médaillé fils, mais Adamard, c'est au dernier moment, sur intervention personnelle de Truman. Mais oui, c'est comme ça. Adamard a eu son visa. Et donc Schwartz a débloqué les 16 passeports de la délégation française. Ils sont allés au congrès. Voilà un deuxième exemple. Ça a donné lieu à une anecdote pour laquelle j'ai des souvenirs, des vrais souvenirs. Parce que Cartan a envoyé à tous les membres de la délégation un télégramme disant « Adamard a son visa, je débloque les passeports ». Et Schwartz, qui avait toujours un petit sens de l'humour, téléphone à Cartan, l'air ahuré, en lui disant « De quoi s'agit-il ?» Cartan était épouvanté, il croyait qu'il avait donné des instructions assez... Donc il s'est mis très en colère, et c'est resté entre eux une espèce d'indice de reconnaissance chaque fois que Schwartz téléphonait à Cartan. Cartan lui disait « De quoi s'agit-il ?» Bon, j'ai bien compris de quoi s'agit-il. Bien.
Oui, j'avais oublié d'ajouter aussi que les Américains avaient été. Schwarz avait obtenu son visa pour le congrès de 1950, à la condition, c'était nommément écrit, qu'il n'intervienne qu'au congrès de 1950 et que pour la médaille Fields. Mais il a été invité à donner une conférence à l'Institute for Advanced Studies et Oppenheimer a écrit dans toutes les, sur tous les panneaux de l'Institut. Conférence clandestine de Laurent Schwartz. Je ne sais pas faire. Bon, le deuxième exemple que je voudrais citer est moins drôle, parce qu'il ne s'est pas terminé par une victoire, il a commencé par une épouvantable défaite, c'est l'assassinat de Maurice Audin, dont vous avez tous entendu parler, en juin 57. C'était cette période épouvantable où les gens étaient parfois torturés de manière si épouvantable qu'on les jetait... dans la mer, on parlait alors des crevettes de Bijard. Le nom dit bien de quoi il s'agit. C'était épouvantable. Bon, on ne sait pas dans quelles circonstances. On a cru savoir, et aujourd'hui, on ne sait pas dans quelles circonstances Maurice Audin est mort. Est-ce qu'il s'est agi d'un ordre donné par l'armée française et par Robert Lacoste, enfin, par les représentants du gouvernement, ou bien est-ce qu'il s'agit d'un interrogatoire plus poussé? On a cru être sûr que c'était le lieutenant Charbonnier pendant un temps, c'était la thèse de Pierre Vidal-Naquet. Charbonnier a été décoré la Légion d'honneur pendant ce temps, c'est pourquoi... enfin bref, je passe sur ces détails sordides. Non, on ne sait pas, mais au moins, comme vous le savez, le dernier président de la République, celui qui est en fonction actuellement, a reconnu le crime de l'armée française. Il faudrait ouvrir d'autres archives, mais on n'est pas sûr que ça s'y trouve. Les ordres d'exécution ne sont en général pas consignés dans des archives, donc peut-être on ne saura jamais comment est mort Maurice Audin. Mais là, immédiatement, il y a eu une réaction très, très importante et très sérieuse du milieu mathématicien. D'abord, il y a eu la soutenance de la thèse in absentia en Sorbonne d'Audin. Elle a eu lieu, il avait fait sa thèse en rapport avec De Possède, justement, dont on a parlé tout à l'heure, et Alger. Et cette thèse en Sorbonne a eu lieu sous la présidence de Favart, qui n'était pas spécialement de gauche, hein, qui n'était pas spécialement pour l'indépendance de l'Algérie, avec la participation de Schwarz et de Tronel, et de d'Ixmier, pardon. Et ça a donné lieu à une vraie campagne de presse. On a commencé à connaître la torture et les disparitions en Algérie, à partir de décembre 57 et de cette soutenance in absentia d'Audin. Et puis, il y a eu la constitution du comité Audin, qui a lutté contre toute la torture en Algérie et pour la vérité sur l'assassinat d'Audin, dont Laurent Schwartz a été rapidement président, succédant à Châtelet, précisément. Et puis, les mathématiciens ont continué leur travail sur une très longue période pour Audin. Il y a eu la création du prix Audin, récompensant des mathématiciens. Cartier a été un récipiendaire, je me souviens, du prix Audin. Et puis il a disparu, il a été revivifié par l'action d'un de nos collègues qui s'appelait Gérard Tronel, qui était même des conférences à Paris 6, qui est mort malheureusement. Mais on a revivifié ça, c'est quand je dirigeais cet établissement qu'on a obtenu ici la nouvelle promotion du prix Audin, et puis ça a abouti à la prise en charge, comme vous le savez, par Villani en particulier, lorsqu'il avait encore ses entrées à l'Élysée, jusqu'à la déclaration importante, hein, de Macron sur la rue Audin, sur la mort d'Audin, et puis les places Audin qui se multiplient. C'est pour ça que j'ai fait cet écart de langage sur la rue Audin. Bon, je vous ai mis un petit... J'ai préparé un tout petit film juste pour le plaisir de voir comment Henri Cartan, on en a beaucoup parlé pour Bourbaki, mais on va en parler pour la solidarité, comment Henri Cartan a raconté quelques années après, ça devait être au début des années 90. Là, ce que vous voyez sur l'écran, vous voyez la cravate de Cartan, la veste de Cartan, et sur la veste de Cartan, vous voyez en travers Solidarność. Et Solidarność, c'est le nom du syndicat polonais dont Cartan prenait la défense. C'était donc après 81, après le coup d'État en Pologne. À mon avis, c'était vers la fin des années 90.
Et Cartan raconte le plus beau coup qu'on ait jamais fait quand même dans la solidarité mathématicienne et scientifique, et la campagne pour la libération de Plouche. Aujourd'hui, tout le monde a oublié ça. Plouche était un mathématicien, un cybernéticien. Ce n'était pas un vieux barbu célèbre, hein, pas du tout. Pour lequel l'ensemble du monde mathématique s'est mobilisé de manière absolument incroyable. Et pour des raisons conjoncturelles, ça a donné une vraie campagne internationale. Schwartz a écrit dans son livre qu'on avait fait céder Brejnev. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est devenu... J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Mais je voudrais juste vous faire entendre comment Cartan parle de ça. J'espère qu'on va l'entendre. Ah non. Là, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Pardon. Henri Cartan a été l'un des responsables du comité des mathématiciens qui s'était donné pour but de défendre leurs confrères opprimés pour leurs idées à travers le monde. Il reste un militant actif des droits de l'homme. Ici, Henri Cartan a été l'un des responsables du comité des mathématiciens qui s'était donné pour but de défendre leurs confrères opprimés pour leurs idées à travers le monde. Alors les mathématiciens ont commencé à se mobiliser. On devait faire une démarche à l'ambassade soviétique. Et entre-temps, en 1972, ça a été signé par Sakharov. Notamment, on n'en sent pas, il a obtenu une salle pour tenir une réunion, une grande réunion, celle de Piouche, qui était utilisée par les Russes. Alors cette pétition, ça a duré pas mal de temps. On a recueilli un millier de signatures. Et en conséquence, il fallait envoyer un télégramme signé de 100 personnes représentant les principaux pays. Et comme j'étais le plus ancien, le plus élevé, c'est moi qui devais envoyer le télégramme. Et recevoir la réponse qu'il n'avait jamais reçue. Mais alors après ça, si on parle de l'époque battue, on a battu une conférence de presse à la Chine pour un carré en avril 1975, et on soit les machins qui étaient mobilisés parce qu'on se réunissait tous les je ne sais pas combien au cours de la Ligue des droits de l'homme pour monter une grande manifestation à la mutualité qui a eu lieu. On a mobilisé les étudiants, plusieurs personnes, et le résultat, c'est qu'au début de janvier 1976, il est arrivé, il y a une photo, non pas qui en fait foi, mais une photo qui a été prise du sens de son armée, où tout le monde était très content. Le rôle que j'avais à jouer pour l'arrivée du jour, j'étais chargé des relations avec la police. Vous voyez dans ce monde. Le rôle que j'avais à jouer pour l'arrivée du jour, j'étais chargé des relations avec la police. Et à partir de là, le comité des mathématiciens. Ah ben oui, on a eu à s'occuper de notre cas. Et vous voyez dans ce monde. À trouver à s'occuper. Bien entendu. Sinon, on descendait. C'est sa femme. Tu parles pas de Schwartz. Je parle pas de Schwartz, bien sûr. Mais c'est Schwartz qui jouait moralement le premier rôle. Et Brouet qui jouait pratiquement de façon active. Voilà. Et vous dans tout ça? Je suis d'accord. Enfin, c'est ça qui jouait moralement le premier rôle, et Brouet qui jouait pratiquement de façon active le premier rôle. Voilà. Et vous dans tout ça? Et moi j'étais d'accord. Voilà. Il n'y a que Cartan pour dire et moi j'étais d'accord. Et ça a été en effet une campagne exceptionnelle qui, ce que j'ai préparé, seuls les mathématiciens peuvent apprécier ça, mais ça, ce que vous voyez, c'est une signature en blanc d'André Weil. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se targuer d'avoir une signature en blanc d'André Weil. J'ai fait une tache de café, c'est en dessous, je suis désolé. Mais il y a eu dans le milieu mathématique une mobilisation absolument extraordinaire qui a dépassé complètement le milieu mathématique pour peut-être un peu maintenant on va en avoir marre d'entendre parler des fascistes, des racistes et de Zemmour, ça va peut-être sortir. Et à l'époque on en avait marre du stalinisme
Et il y a eu une espèce de mobilisation extraordinaire au niveau international. Lorsque Cluj a tenu une conférence de presse à la mutualité après sa libération, un mois après sa libération, parce qu'il a été libéré d'un coup, il était encore tout bouffi de l'haloperidol dont on l'avait gonflé, il a fallu qu'il se remette, il a tenu une conférence de presse un mois après son arrivée. Toute la presse internationale était là, il y avait au moins une dizaine de chaînes de télé américaines, c'était un événement mondial. Et d'ailleurs, voilà la une du Monde, le lendemain de sa conférence de presse, il était le grand article en une, une interview de Denis Cluj. L'oublier aujourd'hui, mais c'était un événement mondial qui a exprimé la solidarité des mathématiciens. On tenait les réunions du comité dans cette même salle, et je me rappelle très bien, bon, de Cotondi qui était déjà parti, mais Deligne n'a pas raté une seule de ces réunions, a collaboré, a signé, voilà, sert à participer à ces réunions. Voilà. Bon, et ce comité a continué à se battre pendant une bonne dizaine d'années avec un prestige acquis lors de cette campagne pour Cluj sur des tas de gens. D'abord des mathématiciens. Vous avez vu passer un article de carton sur Massera. Alors Massera, pour le coup, ça n'était pas un jeune cybernéticien comme Cluj, c'était un barbu. Enfin, je ne sais pas s'il y avait une barbe, mais c'était un mathématicien en place. Membre du Parti communiste uruguayen, salement torturé, détenu au secret pendant des années. Et là, Dieudonné, le grand Dieudonné, est allé exprès à Montevideo pour essayer de rencontrer Massera. Pourtant, Dieudonné n'était certainement pas pro-communiste. Mais il a fait ça. De même qu'on a envoyé Dieudonné en Tchécoslovaquie, en même temps que Patrice Chirot. Oui, il y avait des appariements bizarres. Il y avait un mathématicien en prison en même temps que Václav Havel, donc on a envoyé un mathématicien et un metteur en scène. Václav Havel est ensuite devenu président de la Tchécoslovaquie, mais en attendant, il était en prison. Chirot et Dieudonné ont été arrêtés ensemble, mis dans une cellule sans chaise, et là, Dieudonné restant Dieudonné, il s'est mis à tambouriner de ses poings sur la porte en disant « Je suis Jean de Dieudonné », et puis il gueulait, hein. « Membre de l'Académie française, j'exige une chaise », et Chirot, mais les flics sont arrivés avec une chaise, une seule chaise, avec une chaise. Bon, puis ils ont lâché dans la forêt noire en Allemagne, Chirot a téléphoné à Bayreuth, dont il était à l'époque le metteur en scène, Festival de Bayreuth, ils ont envoyé une Mercedes les chercher, ils sont arrivés à Paris et la conférence de presse qu'on avait préparée pour eux. C'est une histoire rocambolesque où les mathématiciens, y compris les vieilles barbes, se sont véritablement engagés, véritablement. Il y a eu d'autres choses, on est allé au Maroc pour sauver, cette fois-ci c'était un étudiant qui est toujours en vie, qui s'appelle Sion Assidon, qui est un étudiant qui était d'extrême gauche, qui avait été salement torturé, qui vivait dans une prison au fin fond du Maroc. Ils étaient 15 ou 16 dans une espèce de salle avec un trou au milieu. Bon, ça, c'était sur un silence. Alors, je voudrais maintenant parler de ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il se passe aujourd'hui des choses, et il faut aussi parler de ce qui se passe aujourd'hui. Lui, il s'appelle Assat Miftakov. C'est un... La photo a été prise il n'y a pas longtemps. C'est un jeune doctorant russe qui a été arrêté en février 2019. Il a d'abord été accusé de fabriquer des explosifs, puis non, on n'a pas retenu son accusation, on l'a libéré. Et puis au moment où on le libérait, on l'a réarrêté, et cette fois-ci, on l'a accusé d'avoir brisé des fenêtres du parti de Poutine. Brisé des carreaux du parti de Poutine. Il n'y a pas de témoignage pour ça. Il y a un témoin qui dit qu'il a reconnu ses sourcils. Il était, soi-disant, il était masqué quand il a fait ça. Mais le témoin dit qu'il a reconnu ses sourcils. Mais de toute façon, le témoin est mort avant le procès. Donc bon. Mais on a quand même condamné Miftakov à 6 ans de colonie pénitentiaire. Et il y est actuellement dans une des colonies pénitentiaires les plus dures qui soient. On craint beaucoup pour sa sécurité. On a de temps en temps ces nouvelles par les lettres qu'il écrit à sa femme.
Il y a eu un mouvement mondial des mathématiciens. Il y a eu le 16 juin dernier une journée Miftakov. C'est un jeune doctorant, hein, c'est pas une vieille barbe. Il y a eu une journée Miftakov où le 16 juin, on s'est servi de Zoom, là, plus que les autres. Et il y a eu des conférences par des mathématiciens parmi les plus célèbres du moment, donc dont Peter Scholz, par exemple, qui a accepté immédiatement, qui a eu la médaille Fields au dernier congrès, de faire une conférence en l'honneur de Miftakov. L'enjeu est qu'il y a le prochain congrès international qui est prévu pour être tenu à Saint-Pétersbourg en 2022. Qu'est-ce qui va se passer? Miftakov étant toujours en prison, et une très grande partie des participants qui sont invités à ce congrès ayant déjà appelé la libération de Miftakov, qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas appelé au boycott du congrès, on dit « feriez mieux de libérer avant le congrès ». Les choses se jouent en ce moment. Donc voilà, il y a un comité Miftakov. Vous pouvez taper Miftakov sur Google et vous trouverez le comité Miftakov. Récemment, deux mathématiciens français, Villani et Ahmed Abbès, ont écrit une lettre à l'Union mathématique internationale leur disant beaucoup de gens ont pris des... beaucoup de sociétés savantes, la société, la SMF, société espagnole, etc., ont pris des positions demandant la libération de Miftakov. On demande à l'Union mathématique internationale de prendre position. Voilà, il y a d'autres cas. Vous avez sans doute entendu parler du cas, lui c'est une victoire, de Tuna Altinel. Tuna Altinel est un mathématicien turc qui met de conférences à l'Université de Lyon, qui a témoigné en 2019. Qui a participé à une réunion, il n'a pas témoigné, il a participé à une réunion d'information sur un massacre commis par l'armée turque contre des Kurdes dans le sud-est de la Turquie. Et il a été dénoncé, et lors de son voyage suivant en Turquie, dénoncé pour avoir participé à cette réunion. Et lors de son voyage suivant en Turquie, eh bien, on lui a confisqué son passeport. On l'a maintenu 81 jours en prison, puis on l'a sorti de prison, mais on ne lui a pas rendu son passeport. Et nous avons mené, enfin, il y a eu un comité pour la libération de Tuna Altinel qui a mené une campagne internationale pour la libération de Tuna Altinel. Et là, ça marchait. Il n'était pas en prison, il n'était pas en camp, en colonie pénitentiaire comme Miftakov, mais ça marchait. Tuna a fini par... il a d'abord récupéré son passeport et a fini par arriver en France. Et actuellement, là, il enseigne à Lyon. Je suis allé... l'autre jour, inaugurer une conférence en son honneur et pour fêter ses retrouvailles avec l'université. Il y en a d'autres, il y a des cas en Égypte. Vous savez que l'Égypte est aujourd'hui un des pays les plus terrifiants au monde en ce qui concerne la répression, les plus sauvages. Et on est inquiet pour le cas d'une mathématicienne qui s'appelle Leyla Souef, dont le fils est en prison. Il est accusé d'avoir relancé un tweet. Il a retweeté un tweet. Voilà. Et il est en prison depuis 2 ans, son fils. Voilà la situation concernant l'action de solidarité des mathématiciens et parfois des physiciens. Je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Ou les commentaires. Ce n'est pas une question, c'est une remarque. C'est un autre exemple qui m'est venu pendant ton exposé de ce militant nigérian, je pense, qui a disparu et qui est défendu aussi par la communauté. Mais trop tard. Ah, oui, trop tard. Mais trop tard. Sur un ciment, je pensais que c'était Marie François Zoir qui a permis de venir en ligne pour se défendre. Elle a, en tant que mathématicienne, énormément de contacts via son papa. Il y a une vraie activité de, voilà, je veux le dire parce que c'est quelque chose qu'on oublie, de coopération et une vraie tradition de coopération entre mathématiciens qui va un petit peu contre ce que Catherine a raconté tout à l'heure sur les mathématiciens de la guerre. Par exemple, quand Schwarz a signé le manifeste des 121, il a été... c'est pas contradictoire avec ce qu'elle a raconté, encore une fois. Ce qu'elle a raconté est la vérité. Hein. C'est un fait.
c'est que le milieu peut être évolué. Quand Schwarz, par exemple, a été évincé de l'école polytechnique pour avoir signé le manifeste 121 pendant la guerre d'Algérie, eh bien, personne ne s'est présenté pour le représenter, pour le remplacer. Personne. Même pas Malliavin. Je dis même pas Malliavin parce que Malliavin, paix à son âme, n'était pas réputé pour avoir des idées de gauche, ni même de droite d'ailleurs, hein, qui était pire que ça. Ben non, personne ne s'est présenté pour remplacer Laurent Schwarz. Voilà. Donc, il y avait un certain respect, mérité. Hein. Moi, je m'intéresserais à connaître des détails sur la manière dont ça se fait avec le Quai d'Orsay, enfin, pas. Pour l'un de ces exemples plus récents, comment est-ce qu'on procède la mécanique de... Moi, je n'ai jamais eu affaire aux autorités françaises. Jamais. Dans la campagne Piouche, par exemple, le seul point, le seul levier, c'était tout à fait spécifique à la situation, hein, c'était le Parti communiste français. Le Parti communiste français était dirigé par Georges Marchais. Georges Marchais était très proche de Léonid Brejnev. Les photos abondent d'embrassades, pas fausses, entre Marchais et Brejnev. Et donc, notre objectif était d'impliquer le Parti communiste, de l'emmerder au maximum, d'impliquer les militants du Parti communiste pour que Brejnev et les siens se rendent compte que c'était sérieux. Pour les autres cas, pour le Maroc, par exemple, on n'a jamais, bien sûr qu'on sait, on a prévenu Schwarz et moi, on est allé au Maroc, par exemple, une fois, en essayant de rencontrer un certain nombre de responsables, on a évidemment prévenu le Quai d'Orsay, qui n'a jamais et jamais répondu. Jamais. Les seules démarches que je connaisse sont les démarches récentes pour Altinel, qui ont été entreprises essentiellement par Villani. Parce que Villani avait, et tous les députés français, et il avait ses entrées auprès des autorités gouvernementales françaises. Mais que je sache, le gouvernement français ne s'est jamais manifesté. Indirectement, un would-be président, Mitterrand, nous a reçus, il venait juste d'être battu par Giscard d'Estaing, donc il nous a reçus en 1975 avant un voyage qu'il devait effectuer en Union soviétique, et on lui a présenté le Calpe-Piouche pendant une heure. On lui a présenté le Calpe-Piouche, il a promis qu'il en parlerait, je ne sais pas s'il en a parlé. Et ça faisait partie de la tactique que j'ai résumée tout à l'heure en disant on cherchait à emmerder au maximum le Parti communiste parce que c'était un levier. Aujourd'hui, on a peu de leviers vis-à-vis de Poutine. Hein. C'est beaucoup plus difficile pour lui, d'accord. Hein. C'est difficile. Mais on ne cédera pas, c'est tout. On ne cédera pas. C'est ce que je peux dire. Donc, justement, à propos de la SAT, l'attitude de l'Union internationale mathématique est, je ne sais pas comment il faut la décrire, mais disons lâche, au sens où. Non seulement ça, mais je veux dire, ils ont carrément écrit une lettre pour dire quand même que les mathématiques, c'est indépendant de la politique, donc il n'est pas question de se mêler de questions politiques, il faut que ça reste absolument détaché de tout environnement politique. Donc, enfin, moi, je suis en principe représentante de l'IMU au sein de la Comité international pour l'histoire des maths, donc on a immédiatement écrit en disant vous êtes en train de dire que notre domaine ne sert à rien, parce que nous, au contraire, on s'intéresse au lien avec la société, etc. Et évidemment, ils ne veulent pas répondre. C'est-à-dire qu'ils sont. On n'a pas répondu, on n'a pas discuté le cas ASAT en tant que tel, on s'est adressé à un discours direct, il n'y a eu aucune réponse pour l'instant, donc on a relancé déjà trois fois. On ne s'aidera pas non plus, moi j'ai une réponse là-dessus. Mais on se demande un peu quel est le levier, tu dis on ne cédera pas. Quel est le levier? Parce que le levier du boycott, il a été utilisé une fois pour un congrès international. Je n'ai pas l'impression que... Pas vraiment, hein, pardon, je t'interromps, mais pas vraiment. À ma connaissance, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1982, devait se tenir le congrès international en Pologne, et il a été postponed, comme on dit. Oui, repoussé. Repoussé. Il a été repoussé d'un an jusqu'à ce qu'on ait obtenu un certain nombre de libérations, un certain nombre de garanties, pas tout, hein. Mais enfin, il a été repoussé d'un an, ça c'est vrai. Voilà.
C'est difficile, hein, un boycott. Le boycott en milieu scientifique, de toute façon, c'est difficile. Parce que les gens qui sont coincés dans un pays répressif, ils aiment bien qu'on vienne les voir. Pendant des années, une des activités du comité des mathématiciens a consisté, avec les physiciens, a consisté à envoyer des paquets de médicaments, de livres, de nouvelles en Union soviétique, en particulier, par exemple. Ou d'aller tenir des séminaires clandestins, soit en Tchécoslovaquie, soit en Union soviétique. C'était le contraire du boycott. On saisissait une occasion pour y aller. Difficile, le boycott. Il n'y a pas un levier aussi simple que celui de Marché et Brejnev, mais il y en a. On a déjà obtenu beaucoup de signataires des conférenciers invités au Congrès international. On peut au minimum obtenir, et ça ils le feront, un certain nombre de conférenciers l'avaient fait au Congrès de Varsovie, de dédier leur ils dédient ou qu'ils écrivent le nom de Miftakov avant de faire leur exposé. Qu'est-ce que vous voulez que fassent les Russes? Mais un des leviers consiste à les emmerder un maximum. Et on va chercher tous les moyens. Il faut leur dire ça, il faut leur répéter ça. Et puis on n'a pas fini. Hein. C'est la liste de gens qui ont soutenu la journée Miftakov du 16 juin est tout à fait impressionnante. Donc, il y a, à ma connaissance, 3400 mathématiciens russes qui ont signé une pétition pour Miftakov. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. 3400 mathématiciens russes, je dis bien. Hein. Donc, il y a aussi, comme il y avait du temps du stalinisme, des mathématiciens russes qui sont complètement impliqués dans l'organisation du congrès et dans la direction du pays et qui protègent ça. Et qui font, on a eu droit, bien entendu, à des campagnes de dénigrement. On a déjà eu droit à des campagnes de dénigrement de Miftakov. À ça, on ne cédera pas, par exemple. On n'est plus des bleus, on sait comment. Après tout, Poutine a été un agent du KGB. Il emploie des méthodes qu'on connaît. Voilà. Cette question avec une arrière-pensée précise, on a eu ces derniers temps le cas des 200, 250, 300 collègues afghans dont la vie est menacée directement par leur simple fonction et qui ont été laissés sur le tarmac quand leurs homologues, alors qu'il y avait le réseau d'universités capables de accueillir, ça représente en gros deux, trois personnes par université, c'est à peu près c'est faisable sans douleur. Et puis, on a vu que les artistes étaient capables de se mobiliser pour les plasticiens, mais nous non. Oui, c'est vrai. L'absence de levier ou d'héritage de l'expérience pour savoir comment on fait. Est-ce que on voit bien, il ne suffit pas d'avoir une tribune dans le monde, la tribune dans le monde est tellement banale qu'elle ne produit rien. Donc c'était directement intéressé par un savoir-faire expérimental sur comment on fait. Il y a un mélange de savoir-faire et de chance. Hein. Dans les campagnes qu'on a gagnées, il y a eu de la chance politique. C'était le bon moment. Mais il y a aussi qu'il faut bosser. Il faut se mettre au boulot, il faut bosser, il faut se mettre à quelques-uns et travailler. Sur la campagne Miftakov n'aurait pas eu, elle n'a pas gagné, tant s'en faut, hein, mais elle n'aurait pas eu le retentissement qu'elle a actuellement si, en l'occurrence, l'un d'entre nous, je veux dire Ahmed Abbès, n'avait pas abattu un travail extraordinaire. Ahmed Abbès, un excellent mathématicien, il est à l'IHES actuellement, il est d'origine tunisienne, et il est concerné, il y va. Et il bosse, et il écrit, et il réécrit, et il fait tenir les engagements, il fait tenir les dictats, les dictats d'Abbès, comme il y avait ceux de Bourbaki, et on tient la ligne. En effet, cette question de l'accueil des scientifiques afghans est un très bon objectif de combat pour les si deux ou trois personnes veulent s'y coller et créer un comité et rassembler les signatures et aller trouver le ministre et intervenir publiquement. Je crois que c'est possible. Il n'y a pas d'autre méthode. Maintenant, on est aussi dans un moment politique où le cynisme et l'absence de morale ont atteint des niveaux ahurissants.
Et donc, en effet, le savoir-faire se heurte aussi à une stupéfaction de ce qui se passe, et de ce qui s'entend quand même, qu'on n'entendait pas dans les années 80 lorsqu'on menait ces campagnes-là. Il faut aussi dire ça. C'est pas pour démobiliser, hein. Au contraire, raison de plus. Mais c'était une époque où, dans les années 80, encore, quand on rapportait un fait, c'était un fait. C'est pas une opinion. C'est pas mon opinion contre ton opinion. C'était le fait avoué, documenté, prouvé. Aujourd'hui, c'est plus difficile, mais raison de plus pour se battre. C'est en ce sens que l'esprit scientifique, au sens noble du terme, est mis en danger par ce qui se passe aujourd'hui. Je saisis d'ailleurs l'occasion de rebondir un peu sur ce qui a été évoqué aussi par Catherine, les problèmes des matheux depuis le discours de Jaffar jusqu'à aujourd'hui. Ils tiennent aussi à l'ignorance crasse de nos gouvernants et du système gouvernemental français en matière scientifique, je ne dis pas simplement en mathématiques, mais en matière scientifique, en morale scientifique, en méthode scientifique, j'ai envie de dire juste en termes d'honnêteté intellectuelle. J'ai cité cet exemple du jeune collaborateur de Jouyé tout à l'heure, qui se trouve occupé de hautes fonctions maintenant, mais oui, on en est là. Ils ne savent pas ce que c'est que le travail scientifique, ils ne savent pas ce que c'est qu'un fait reconnu. Et ça touche, ça, bien sûr, à cette espèce de cercle vicieux, ça touche à la vision qu'on a des sciences et des maths comme coup de règle sur les doigts et comme apprentissage par cœur de règles automatiques, alors que c'est le seul ou un des domaines où l'élève peut montrer à son professeur qu'il a tort, peut démontrer à son professeur qu'il a tort, et c'est ça qu'il faudrait faire passer, bien sûr. On n'en est pas du tout là, on en est à l'inverse, et à une ignorance. Quand Schwartz est mort, Bourguignon et moi avions rêvé de créer une fondation pour la compréhension des sciences par les décideurs politiques. On n'y est pas arrivé. Mais oui, il faudrait faire ça. Il faudrait essayer de leur expliquer le béaba. Ils ne savent rien. Je ne comprends pas pourquoi les Australiens ne marchent pas la tête en bas.